Bonsoir mes chers amis, un instant parce que je voulais démarrer donc ce live sur mon groupe et je vois que ça ne fonctionne pas. Alors, sur mon groupe Facebook bien entendu. Je vais faire quelques tests. Donc je suis connecté sur Periscope, sur Twitch, sur VK, mais sur Facebook, je ne me vois pas connecté. Alors je vais essayer quelques réglages, les amis. Alors. Eh bien, c'est les joies de Facebook. Ah bah tiens, où est-ce que tu me vois? La Travia Sport, tu m'as partagé, mais où est-ce que tu m'as vu? Moi, je n'arrive pas à voir mon live sur le groupe. Mais je vois que donc il y a des personnes qui le partagent. Alors, comment je peux savoir ça? Alors. C'est bizarre ça parce que je vois que j'ai été partagé. Je vois qu'on dit que j'étais en direct alors que je suis toujours en direct. Bon, c'est le groupe, c'est les joies de Facebook. Apparemment, je n'arrive pas à envoyer mon live sur mon propre groupe. Peut-être suis-je encore puni, je sais pas. Je ne peux pas envoyer de live sur mon propre groupe. Bon. Eh bien, je vais envoyer le live donc sur le Facebook principal, tant pis, hein. Voilà. Alors. Bon. C'est pas du tout comme je voulais, mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors.
Alors, ça c'est fait. Voilà, bonsoir les amis, hein. Ça ne s'est pas passé comme je voulais, j'aurais dû faire un test avant. Je voulais diffuser mon live sur mon groupe Gilets jaunes, la vraie colère. Eh bien, Facebook ne m'a pas laissé, je n'ai pas réussi. Peut-être suis-je encore puni, les punitions de groupe, vous savez. J'avais par le passé, j'avais diffusé sur des groupes qui ne m'appartiennent même pas, sur lesquels j'étais modérateur ou administrateur. Bon, là j'ai réussi, je n'y arrive pas, mais ça ne veut pas dire que dans les jours qui viennent, je n'y parvienne pas. Eh bien, c'est pour constituer donc une équipe de modérateurs, comme vous voyez, les attaques de l'intelligence artificielle. Eh bien, je voulais mettre une équipe humaine face à ces multiples équipes numériques composées pour la plupart d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Bon, ça sera pas pour ce soir, ce n'est pas grave, les modérateurs, eux, ils sont prêts, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, je voulais démarrer donc ce live. Que je consacre donc aux fake news, justement, on reste dans le domaine de l'intelligence artificielle et des fake news, des attaques par propagation de fausses nouvelles numériques. Hein. On est en plein dans cette ère. Ce type de méthode, donc par les réseaux sociaux, Facebook et d'autres, à travers des faux comptes, des comptes vides. Sur lesquels, bon, bah, vous allez voir des photos, un peu de photos de famille, ce qui ne prouve pas que c'est une personne physique qui est derrière. C'est des photos aujourd'hui, vous pouvez en ramasser absolument partout, hein. Et donc, il y a des centaines de milliers, même des millions de comptes vides qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle, par des ordinateurs, par des algorithmes, qui peuvent propager en quelques minutes, en une fraction de seconde même, des centaines de milliers de publications ou d'informations, des vidéos, des partages, des likes, des dislikes pour d'autres réseaux comme YouTube, des messages robotiques, des partages robotiques sur Messenger aussi. Et ceci, donc, vous pouvez regarder la série House of Cards, mais sinon, sans même regarder la série, ceci a contribué à l'élection de Obama et surtout récemment de Trump, alors que Trump, il avait, on va dire, le monde physique, la rue, au niveau sondage contre lui, eh bien, il avait le monde virtuel, Internet avec lui. Et vous avez vu le résultat, c'est que c'est lui qui a gagné, malgré que tous les analystes ont donné Hillary Clinton pour gagnante. Et ceci donc a contribué énormément à l'élection d'Emmanuel Macron. Hein, la propagation de plein de fausses nouvelles, ou alors le fait de masquer hein, les vraies nouvelles, hein, parce que quand vous inondez la toile par des informations dans tous les sens et particulièrement des informations fabriquées, hein, fabriquées pour l'occasion, pour un peu comme vous le voyez dans les médias mainstream, on va s'en foutre de dizaines de morts par jour parce que ça n'intéresse pas la ligne politique. Par contre, il suffit d'avoir un mort ou deux morts sur une vidéo ou une fabrication de nouvelles, par exemple un incendie, etc., pour que ça éclipse toute l'actualité nationale et internationale. On peut même aussi fabriquer des informations sur lesquelles on va feuilletonner pendant plus d'une semaine. Par exemple, imaginez une personne clandestine, hein, d'Afrique noire,
une personne noire, clandestine, qui a des talents d'escalade, de très très bons talents. Et puis cette personne, elle passe dans une rue. Et imaginez qu'à cet instant arrive par la main du destin cette chose fabuleuse qui va permettre à cette personne d'obtenir non seulement l'attention médiatique, mais surtout obtenir, soi-disant, des papiers français, hein, le Graal tant rêvé. Eh bien, oui, c'est arrivé, parce que au moment où cette personne passait, il y avait un bébé. On ne sait pas, là pour l'instant, on l'a vu que de dos. Mais il y avait ce qui pourrait être un bébé en danger de mort. Il allait tomber d'un balcon. Il y aurait eu à ce moment-là n'importe quelle autre personne, sauf cette personne clandestine, experte donc dans l'escalade. Peut-être que ce bébé n'aura jamais été sauvé. Mais comme le hasard fait bien les choses en France particulièrement, eh bien, il y avait ce merveilleux sauveur que le destin a fait passer ce jour-là à la bonne heure et dans la bonne rue. Et donc, il s'est précipité sans réfléchir. Il a escaladé, et vous connaissez la suite de l'histoire. Il a sauvé le bébé, et donc, il a permis de le remettre dans les mains, on va dire, de Macron. Macron a pu donc faire quelques belles déclarations, etc., etc. Eh bien, figurez-vous que ce type de fabrication, d'orchestration, malgré que ça peut sembler comme ça simpliste, limite, on va dire, limite nulle, peu crédible, eh bien, c'est ce que nous vivons tous les jours. On fabrique, on vous fabrique de l'information pour pouvoir éviter de vous parler de la réalité. Parce qu'effectivement, la réalité n'est pas belle à voir, hein. La réalité, je ne vais pas tout vous réciter, mais vous voyez dans mes publications, je récite un ensemble de choses. La réalité des placements abusifs de nos enfants, la réalité de notre école, qui est la pire des écoles dans le monde, elle est très très mal classée, l'une des dernières, qui est là juste pour endoctriner, soumettre, transmettre des valeurs, pas des valeurs, mais des contre-valeurs idéologiques contre la famille, pour monter les enfants contre les parents. Ceci aussi est transmis dans les produits culturels, la musique, les clips, les chanteurs, les films, les feuilletons, les acteurs. Les scénarios, les festivals de ci, festivals de cela, les écrivains, les livres, les plateaux télé, les pseudo-experts, les journaleux, les animateurs. Donc voyez, nous sommes enfermés, hein, il est pratiquement impossible, impossible de découvrir un jour la réalité et la portée de ce monde illusoire dans lequel nous baignons et nous vivons depuis notre naissance et pratiquement jusqu'à notre mort sans même un jour s'en rendre compte. Heureusement que est passé par là Internet, ce qui a permis donc à des personnes comme votre serviteur de se renseigner, de recoller les morceaux, de lire ce qu'il faut lire, regarder ce qu'il faut regarder. Écouter ce qu'il faut écouter. Aujourd'hui, ce qui est en danger, donc c'est cet élément-là, c'est Internet, je n'arrête pas de vous le dire. Avant, dans le temps, donc justement, pour que les anciens ne nous transmettent pas la vérité, la réalité, on allait brûler donc leur maison et leurs livres. Et aujourd'hui, bon bah, vu que ça devient numérique, eh bien, c'est la censure que nous vivons tous les jours. Mais encore, c'est rien cela, parce que à un certain moment, tôt ou tard, cela arrivera. D'ailleurs, là, nous avons vécu le système Internet mondial a vécu des attaques massives, hein, il y a 2 jours, et ça n'arrête pas.
Il y a tous les jours, il y a des choses qui se passent sur le réseau Internet mondial, des likes qui disparaissent, des retweets pour ce qui concerne Twitter, etc. Il y a des choses, il y a des mouvements, il y a des tours de passe-passe, hein, c'est absolument incroyable. Moi, votre serviteur, je n'ai cessé d'être censuré, j'étais censuré en 2017, là où je ne voyais personne se plaindre de la censure, je me suis retrouvé isolé, seul. Et après, vous vous retrouvez comme un paria lorsque vous essayez de contacter vos contacts, vous dites je suis censuré, etc. Voilà. Bon, aujourd'hui, tout le monde est censuré, au moins on me croit. Mais en 2017, lorsque j'ai mis les écrans, que j'ai dit j'ai rien fait de mal, 15 jours sans Facebook, sans Messenger, on avait du mal, on avait encore, on me croyait pas encore. Aujourd'hui, je vous parle, j'ai été puni. Le mois dernier sur Facebook, ce qui m'a fait ouvrir un compte Facebook de secours. Je suis actuellement puni sur Twitter depuis, ça remonte, hein, depuis 6 mois. Je ne sais pas pourquoi, mais les images, mes images et mes vidéos, je n'arrive pas à les voir. J'ai un message qui dit vous avez refusé de voir ces images. Je n'ai jamais rien refusé. J'ai essayé de contacter, vous savez très bien, essayer, c'est même pas la peine. Là, c'est pas les opérateurs français, hein. Orange, SFR, Free, là, vous n'avez aucun contact. Et je vous avais montré, donc à l'occasion, c'était, je pense, le 22 janvier, là où tout le monde était en alerte sur est-ce que la France va céder l'Alsace à l'Allemagne. Encore une fabrication, encore une fois, du système. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour créer un feuilleton, pour donner des analyses, des peurs aussi, pour que Internet s'agite là-dessus, les médias s'agitent là-dessus, au final, c'est une coquille vide, hein. C'est des signatures de chartes, de traités qui ne servent à rien, c'est comme le pacte ONU, hein. C'est pour un peu créer tout un mouvement, hein, de désinformation générale. Ce qui, à la fin, le citoyen n'a plus envie de suivre d'alerte, à force qu'il est inondé d'alerte en permanence. Lorsqu'on appelle tout le temps au loup, au loup, au loup, eh bien, le jour où il y a le vrai loup, par exemple, votre serviteur va appeler au vrai loup, vous serez vacciné. Plus personne ne percutera. Alors heureusement aujourd'hui je vois que j'obtiens de plus en plus votre confiance parce que je vois au nombre donc de personnes présentes sur mes lives, au nombre de vues. J'espère que ce n'est pas uniquement dû aux trolls qui me surveillent, que j'ai par lesquels dont j'ai été contaminé donc par mes deux derniers. Démasqué, Flyrider et Rodrigue, et Jérôme Rodrigue. Voilà, j'espère que dans le lot, il y a vraiment des personnes nouvelles qui cherchent à nous unir, de l'information, du décryptage. Voilà. Tout ceci pour vous dire, mes chers amis, j'attire votre attention, d'ailleurs je l'ai fait depuis des mois. Même au début des Gilets jaunes, il y a eu une explosion de fake news inondées sur la toile. Pour la petite parenthèse, lors de l'élection donc de 2017 de Macron, il y a eu plein de fake news qui ont baladé tout le monde, alors que le principal, d'ailleurs, je n'ai cessé de faire des vidéos, de vouloir l'expliquer, le principal c'était de voir que Macron, par un tour donc de passe-passe, avait autorisé l'achat de SFR par Patrick Drahi, ce qui avait été interdit par l'autorité donc de la lutte contre l'autorité de la concurrence, de la lutte contre les monopoles. Ça n'avait pas été autorisé. Il fallait qu'un ministre puisse donc aller au-delà et signe ce rachat. Parce que Patrick Drahi, vous le voyez aujourd'hui, se serait retrouvé en position dominante de télécom. Eh bien, le ministre de l'économie à l'époque, qui était Arnaud Montebourg, n'avait pas voulu mettre sa signature, n'avait pas voulu faire le job, et c'est là où il a été donc remplacé
haut-le-pied par un certain Macron que beaucoup de monde ont découvert, qui était avant deuxième secrétaire de l'Élysée, donc il n'était pas exposé. Voilà, l'apparition de quelqu'un, un produit comme Sarkozy, comme d'autres, un produit, on va dire, maçonnico-américain ou américano-maçonnique. Il y a cette espèce de partenariat entre la franc-maçonnerie et donc la CIA, les États-Unis, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui n'est pas d'aujourd'hui. Il y a aussi le Maroc dans le coup, hein, le Maroc, grâce donc à tous ces champs qui apparemment ne posent de problème à personne, hein, tous ces champs de cannabis, hein, qui rapportent beaucoup d'argent, les mallettes qui passent d'un continent à l'autre. Les différents protagonistes qu'on se chope, hein, qu'on se chope venus tout droit donc de ce pays, comme Zineb Arzaoui, comme Alexandre Benalla et d'autres. Les scandales pédophiles des élites françaises qui sont tues et cachées donc par cette espèce de roi qui ne protège absolument son pays de rien du tout, hein, mais qui est là plus pour dézinguer sa propre société. Donc les scandales pédophiles sont incessants, hein, au Maroc, hein. Mais restant donc sur ce partenariat donc franco-américain, maçonnico, on va dire CIA. On peut aussi le nommer l'OTAN, tout simplement. Si on cherche un nom, bon ben nommons, faisons simple, en quatre lettres, l'OTAN. L'OTAN dans laquelle Sarkozy nous a fait entrer sans nous consulter, d'accord? Avant, c'était pas terrible non plus, mais remarquez que depuis que Sarkozy, donc, a pris en main notre pays et donc qui nous a fait entrer dans l'OTAN, remarquez que notre pays a quand même pas mal changé. Remarquez que c'était un grand point pivot en plus de celui du 11 septembre 2001. Eh bien, vous avez en 2007, lorsque Sarkozy a pris le pouvoir et que du jour au lendemain Chirac, on nous a dit que c'est bon, vous le verrez plus, il est devenu complètement starbé. Eh bien, vous avez vu comment la France a complètement changé de voie, hein. Elle partait dans une voie, eh bien, elle a tourné son gouvernail à 180 degrés, j'ai envie de dire, ou 90 degrés, et elle a changé complètement de direction, aussi bien sur la scène internationale que à l'intérieur. Et vous remarquerez que ce n'est pas dans le bon sens. Ce n'était pas avant dans le bon sens non plus, mais ça s'est accéléré, et la perversion, les différents complots, que ce soit contre le peuple, contre la famille, se sont, on va dire, ont explosé, hein, ont explosé. Internet était là, donc pour accompagner ce désastre, et Internet a joué beaucoup et continue à jouer beaucoup pour influencer nos mentalités, notre mode de vie, notre pensée, notre vote, parce que les élections se font aujourd'hui beaucoup sous l'influence d'Internet. Dans le temps, c'était les médias. Vu que plus personne ne regarde, de façon générale, hein, plus personne ne croit plus les médias, eh bien, vous n'êtes pas méfié des réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux, ça coûte moins cher à manipuler que d'acheter des grands médias et d'embaucher des célébrités du matin au soir pour mentir, etc. Et fabriquer des grandes émissions, des grands documentaires, et gérer beaucoup de menteurs, beaucoup de manipulateurs, etc. Les réseaux sociaux, ça coûte moins cher. Si vous voulez un manipulateur
qui coûtent par exemple très cher dans les grands merdias. Admettons, je ne sais pas moi, vous prenez par exemple un Éric Zemmour. Bon, il coûte cher pour un grand merdia. Eh bien, imaginez un Éric Zemmour version je te fais un live sur Facebook ou je te fais un live sur YouTube. Version, je te fais ça dans un camion fictif que personne n'a jamais vu comme ça garé au bout de ma journée de travail. Ou version, je te fais ça dans ma cuisine. Ou je te fais ça dans mon salon, je ne sais pas dans quelle position. Voilà. Imaginez, ça coûte rien, ça coûterait rien par rapport à. Donc un Éric Zemmour version Internet, vous pouvez vous en offrir peut-être 200, 300 pour le prix d'un Éric Zemmour version France 2, enfin toutes les chaînes, vous le voyez sur toutes les chaînes. Et c'est exponentiel, hein, parce que si vous prenez tous les manipulateurs qui défilent dans les médias mainstream, vous faites la même chose sur Internet, eh bien vous avez presque tout Internet qui vous appartient, sauf peut-être, allez, 3, 4, peut-être 5 voix non encore contaminées, non corrompues, comme votre serviteur. Mais comment voulez-vous les trouver et les voir? Parce que ces voix-là vont être censurées en permanence. Moi, je n'arrête pas de redémarrer à zéro les compteurs donc des personnes qui me suivent, parce que je suis censuré pour ci, pour ça. Lorsque vous avez en face des personnes donc qui apparaissent du jour au lendemain, qui n'ont pas vraiment de passif, mais que leur chaîne va avoir beaucoup plus d'abonnés, par exemple, que la chaîne de votre serviteur. Mais même, vous pouvez multiplier les abonnés par même pas 10, même pas 100, vous les multipliez par 1000. Les vidéos, pareil, c'est, je veux dire, ça devient. Je comprends pas comment on peut en croire à ces chiffres-là. Les vidéos qui sont visionnées 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de fois, des vidéos vides. Des coquilles vides, il ne se passe rien dans ces vidéos, il n'y a aucune information, il n'y a absolument rien. Vous avez des chiffres faramineux. Bon, ça passe comme une lettre à la poste. Nous ne sommes pas préparés, le peuple n'est pas informé sur ces méthodes. Le peuple ne veut même pas y croire lorsque vous commencez à en parler. C'est difficile de faire accepter aux gens qui ne sont pas éveillés le contraire de ce que leur dit. En permanence, Internet et les médias officiels, et les journaux écrits, et la radio, ils vont croire que vous êtes parano ou que vous êtes fou, et ils vont avoir peur hein, que eux aussi, on les traite de parano ou de fou. Donc, voilà, c'est un peu noir ce que je vous explique, mais mes chers amis, je vous dis la réalité, c'était important. Donc, ayant fait ces présentations, je ne prendrai personne donc en live. Là, je vois le mic Rambo. Le mic Rambo, je l'ai déjà pris dans mon live. Là, il manque presque personne. J'ai déjà pris. Si vous avez d'autres, Priscilla Ludowski, je l'ai pas pris. Je veux bien ou François Boulot. Voilà, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de me sortir tous les noms du monde. Je viens vous expliquer. Je viens vous expliquer. Hein, ce n'est pas ces gens-là hein, qui vous donneront les vrais complots, les vraies informations. Vous perdez votre temps. Gagnons du temps, mes chers amis, faisons notre révolution, hein, comme on aurait dû faire depuis très très longtemps, mais il n'est jamais trop tard pour se réveiller, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Menons notre révolution ensemble, les amis. Donc voilà, je vais dérouler ce que je vous ai préparé. Alors, on va parler de deux fake news qui reviennent, qui apparaissent, qui reviennent. Je vais vous les montrer. Donc on va commencer par celle-là. Alors, j'ai pas pu faire mieux pour cacher donc
les informations sur mes contacts. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez dû voir ou pas voir, je ne sais pas. Alors, là, je comprends pas. Fly le héros, qu'est-ce que tu dis? Un petit blocage, je crois. Fly le héros, voilà, fly. J'espère que tu viens pas déguisé, Fly Rider. Bon, donc vous voyez, à diffuser en masse, le calcul de Macron est juste. Les retraités la fermeront et puis on vous donne carrément cette espèce de conseiller honoraire, maître honoraire, chevalier de l'ordre national, chevalier de l'ordre des Palmes. Déjà là, si vous êtes un minimum informé, il faut fuir parce que quelqu'un qui a autant de médailles, vous savez, il est certainement franc-maçon. Donc là, au premier coup d'œil, il faut jamais partager ça. Vous avez donc ses coordonnées, lettre à son Altesse Macron Ier, et puis après tout un développement. Alors effectivement, la manipulation actuelle, c'est de cogner le plus fort possible sur Macron pour que ceci devienne crédible. Voilà, on cogne, on cogne, on cogne, et puis Macron en démission, et puis Macron on t'emmerde. Et Macron, t'es un salaud et tu n'aimes pas les retraités. Il n'y a pas eu pire salaud. Mais je veux dire, ça, c'est nous balader. Hein. C'est comme le feuilleton avec Benalla. Hein. Il faut toujours. Ils l'ont compris depuis très longtemps. Hein. Il faut toujours des espèces de têtes de Turc ou un ballon. Pas un ballon, mais. Vous savez, un sac de boxe, hein, hein, il faut toujours un sac de boxe pour détourner l'attention. Hein, pour détourner l'attention. Bon, ben là, vous voyez, les sacs de boxe actuels, c'est Benalla, Kras, un peu moins Kras, mais Benalla beaucoup, Macron beaucoup, un peu Finkielkraut, voilà, ça, c'est les sacs de boxe. Mais c'est pour détourner, encore une fois, du vrai combat, des vrais sujets, au lieu de perdre notre temps avec eux dans ces informations fabriquées, hein, soi-disant que aujourd'hui, il faut qu'on se lève tous pour défendre les policiers sur des policiers qui n'ont pas été attaqués dans leur véhicule sur l'A7 à Lyon. C'est nous faire perdre du temps. Nous faire tourner en rond. Demain, il faut qu'on s'occupe de réfléchir, de faire des marches blanches pour soi-disant des pompiers qui ont été blessés. C'est des choses, encore une fois, qui tombent toujours à pic. Et on nous noie dans cet ensemble donc de fausses informations pour nous faire perdre du temps. Ça, c'est la stratégie principale de tout ce système de la franc-maçonnerie, c'est de faire tourner en rond. Et je pense que, heureusement, les gilets jaunes, c'est formidable parce que ça vous a permis à beaucoup d'entre vous d'entrevoir hein, le début de vérité. C'est ce qui permet que vous êtes aujourd'hui chez moi et que vous commencez à chercher de l'information parce que vous avez commencé à voir que, par exemple, les leaders des gilets jaunes médiatisés, il n'y avait pas de suite, hein. C'était justement cette perte de temps, et vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'orchestration dans les images qu'on voit de leur pseudo-live, etc. Il y avait beaucoup d'orchestration. Eh bien, c'est ce principe-là, c'est vous faire perdre du temps comme ça, vous en avez, lorsque vous atteignez l'âge adulte, on va dire, vers les. À partir de 20 ans, il vous reste à peu près 40 ans de validité pour faire quelque chose, hein, pour mener, s'il le faut, une révolution ou quoi que ce soit. Eh bien, 40 ans, ça passe très très vite. Hein, ça passe très très vite. Et vous passez ces 40 ans-là à trimer
dans un boulot pour survivre, même pas pour vous épanouir, même pas pour construire quelque chose, même pas. Ben, c'est juste pour pouvoir manger, pour survivre. Je veux dire, si jamais vous aviez la possibilité d'avoir un morceau de terrain avec une tente, un arbre et je sais pas moi, une vache pour avoir du lait, vous survivrez, vous pourriez survivre sans jamais travailler un jour dans votre vie. Mais le système a été conçu pour que on passe notre vie à se battre pour pouvoir justement vivre, survivre. D'accord? Là, je ne vous parle même pas de tout le confort qu'il y a à côté. Je vous parle juste de pouvoir survivre. S'il y a quelqu'un qui dit, OK, moi, je ne veux plus aucun confort. Je veux juste manger, dormir, juste vivre. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas de vos téléphones. Je ne veux pas de tout ça. Je veux juste ça. Ce n'est pas possible. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, c'est leur technique, c'est vous faire perdre du temps. Là, je m'étale, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, je m'étale, mais je pense que c'est important que j'aille au fond de ce que je veux vous dire. Et donc, le général de Gaulle l'exprimait très bien, il disait, donnez-leur beaucoup de travail, ça les empêchera de réfléchir. Parce que si on vous laisse du temps, un peu plus de temps libre et un peu plus de cerveau disponible, eh bien vous vous mettriez à regarder un peu plus de vidéos sur YouTube, à lire un peu plus de livres, à réfléchir tout seul, à vous asseoir un petit peu, à méditer, à contempler, à regarder, à observer, à réfléchir. Et ça c'est un danger donc pour le système, c'est un danger pour eux. Parce que là, vous commenceriez à entreapercevoir les irrégularités de la vie, les bugs, hein, les incohérences, hein, les incohérences. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus aller, comme d'habitude, chercher du travail pour aller salarié quelque part ou aller pointer, comme d'habitude, comme vous avez toujours fait à votre travail, vous ne pouvez plus. Ce n'est plus possible. Parce que vous vous rendez compte qu'au final, vous vivez pour rien. Vous passez sur Terre comme d'autres, des générations, comme des siècles, des millénaires, d'autres sont passés. Et ça n'aura servi à pas grand-chose. Vous laissez la planète aux suivants, et même à vos propres enfants et petits-enfants, dans un jeu éternel de guerre et de paix, de massacres et de pseudo nouvelle ère, nouveau régime, nouveaux accords, nouveaux traités, nouvelle justice. C'est vous ne pouvez pas continuer. Ou alors vous n'avez plus aucune humanité. Mais si, vous avez de l'humanité. Hein, vous avez de l'humanité. Si vous ne faites pas partie de ces gens-là qui profitent donc sur le dos de la majorité des humains, si vous ne faites pas partie de ces gens-là, je précise, hein, ces gens-là, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des humains comme vous et moi. Mais si vous ne faites pas partie de ce clan-là, vous ne pouvez plus revenir à votre vie comme avant. Une fois que vous avez ouvert les yeux, une fois que vous vous êtes rendu compte qu'on nous rend malade pour nous rendre dépendants de leurs médicaments, qu'on nous affame pour nous empêcher de nous réveiller, de nous organiser, de nous révolter, de reprendre notre destin en main, qu'on nous inonde d'informations, de fausses informations, pour nous désinformer, justement, pour ne pas nous permettre d'ouvrir les yeux, qu'on nous déséduque de force à travers une école qui commence de plus en plus tôt, hein, de 6 ans, 5 ans, 3 ans, et là, bientôt, dès que l'enfant va être éjecté, va arriver au monde, il va tout de suite être pris en charge par cette République, cette Marianne qui va tout de suite courir avec pour le faire entrer dans l'école, dans la crèche ou dans la maternité. La maternelle, ce que vous voulez. Et puis, les manipulateurs, c'est des gens extrêmement
instruit. C'est de la science, mes chers amis, c'est de la science, c'est du mentalisme, c'est très puissant. Le cerveau humain, c'est pas comme on nous le dit. Il n'est pas les avancées donc sur les sciences humaines, la sociologie, l'ingénierie sociale ne sont pas connues on va dire du public. Hein. Ceci n'est pas connu. Hein. Il y a la manipulation à travers le trucage, à travers le déguisement. La duplicité des discours, c'est quelque chose de phénoménal, les amis. C'est phénoménal. Hein, vendre la liberté tout en œuvrant donc pour nous emprisonner, vendre l'égalité tout en réservant la justice donc complaisante uniquement pour les élites. La même chose pour la fraternité, vendre la fraternité tout en œuvrant en permanence pour créer les divisions et les tensions intra-peuple, intra-famille, monter les enfants contre les parents, monter les femmes contre les hommes, c'est en permanence, monter l'opinion contre les musulmans, monter l'opinion contre les juifs, monter l'opinion contre les catholiques, les chrétiens, les athées, pour que l'opinion ne se rende jamais compte de ce que c'est la franc-maçonnerie, de ce qui se trame hein, dans leur loge. Hein. Voilà. Alors, après cette présentation, mes amis, donc je vous ai montré tout à l'heure un exemple, mais il y a tellement de fake news. Donc je vous demande de m'aider. J'ai fait ça depuis plusieurs mois. J'ai fait plusieurs vidéos. Je vous demande aujourd'hui de m'aider à chaque fois que je vous présente une fake news, c'est de m'aider à au moins ne pas la propager. Rien que ça, peut-être qu'on arrivera un petit peu à équilibrer les forces. Parce que pour l'instant, nous avons une énorme force, donc artificielle et quelques humains, pas beaucoup, hein. Une force des élites, hein, pour nous contaminer avec leurs fausses informations. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous y participons. J'ai dit nous, je me mets avec vous, mais moi je ne le fais pas. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des algorithmes, vous n'êtes pas des élites, hein, et vous participez par ignorance, hein, par naïveté, à la propagation de ces fausses informations. Vous la recevez, on vous met toujours le message qui va bien au début. Partage ça s'il te plaît, tiens ma poule, mais c'est ridicule, mais c'est comme ça que les messages commencent. Hein. Salut ma poule, est-ce que tu peux partager ça s'il te plaît, c'est très important, parce que si 10 personnes le reçoivent, machin, et puis les autres messages, Facebook va devenir payant, WhatsApp va devenir payant, partage ça un max, si tu t'envoies ça à 10 personnes, ça veut dire que tu les aimes. Et vous inondez les réseaux avec des conneries. Hein, ce qu'il faut partager, par exemple, c'est des informations sur la franc-maçonnerie, c'est des informations importantes. Et on ne peut pas y échapper parce que là, vous avez tous les 2 jours, vous avez une information sur Benalla. Comment voulez-vous ne pas partager ça? Ce n'est pas une fake news, c'est une information orchestrée qu'ils ont fabriquée. On nous dit que Benalla a rencontré Vincent Kraze 1 heure alors qu'il n'aurait pas dû le rencontrer. Mais je veux dire, c'est une information, elle n'est pas fausse. Mais on s'en fout. On s'en fout. Inonder les réseaux avec ça. Vous voyez, on ne peut pas regarder un décryptage, un décodage d'une information. On ne peut pas revenir, par exemple, sur le pourquoi du comment de la Première Guerre mondiale, le pourquoi du comment de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tellement de choses à savoir. Il y a tellement de choses à savoir. Voilà, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de m'aider à juste contrer en ne pas partageant les grossières fake news. Voilà, je ne vais pas vous demander de ne plus partager Le Parisien, Le Monde, Mediapart, Le Canard Enchaîné. Non, ça ne se fera pas comme ça. Et puis, malheureusement, on n'a pas d'autres réseaux pour l'instant d'information. Moi, je ne fais qu'un live tous les soirs. C'est impossible de traiter toute l'information. Donc, effectivement. Mais par contre, ce que je vais vous montrer, ça, c'est trop voyant. Il faut arrêter de partager ça. Allez, je vous montre ça.
Donc, regardez, ça a fait 758 643 vues. Bon, chapeau. Personne ne remarque, pourtant les gens partagent. Alors, c'est présenté comme étant subversif, anti-système. Il y a le petit gilet jaune qui va bien. Mais là, le sigle, le drapeau, le grand drapeau. Et ici, vous avez Liberté, Égalité, Fraternité, République française. Non, ça fait partie du décor de l'antisystème, hein, de mettre ça, République française. Non, vous partagez ça comme si c'était anti-Macron, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, cette vidéo, vous l'avez déjà partagée beaucoup, parce que sinon, il n'y aurait pas eu ça. Franchement, on me l'a envoyé, je crois encore, hein, on me l'a envoyé hier ou aujourd'hui. Arrêtez de partager ça, les amis. Allez, je vous montre un exemple, comme ça vous permet de détecter les futures fake news. Donc tout ce qui commence avec des sirènes, poubelle. Hein, moi, vous m'avez jamais vu démarrer une information importante en vous mettant plein les oreilles une sirène. Allez, 6 minutes de souffrance, mais au moins, ça vous permettra de voir et essayer de regarder. Vous verrez qu'à force, vous rendrez compte que c'est un montage extrêmement ridicule. Mais bon, sur le coup, vous n'étiez pas, on va dire, éveillé. Peut-être que vous l'avez partagé sans le vouloir. Allez, on y va. Attention, ce message s'adresse à tous les Français. Vous êtes tous concernés et avertis à l'avance de ce qui va arriver. Nous nous appelons les Constitueurs, nous sommes des Gilets jaunes, nous sommes vos enfants et vos petits-enfants. Nos actions ont un but ultime. Changer le système, en changeant la Constitution française. L'action Gilets jaunes est un succès sans précédent en termes de mobilisation, nous parlons de chiffres se rapprochant progressivement de mai 1968. L'exaspération des citoyens est générale, mais il sera nécessaire de changer deux points majeurs de la mobilisation si nous voulons vraiment gagner. Numéro 1, parler tous d'une seule et même voix concernant nos revendications. Voilà, ça c'est important. Je vous montrerai après la date de cette vidéo pour que vous compreniez enfin. Un des buts majeurs des Gilets jaunes, hein, je vous en ai parlé plein de fois, et là, je vais vous le prouver ce soir par A plus B et jusqu'à Z. Donc regardez, ça s'appelait PARIC au début, ça s'appelait la loi du référendum populaire. Voilà où est-ce qu'on veut vous emmener depuis le départ. Je vous montrerai la date de la vidéo, hein. Voilà où est-ce qu'on veut vous emmener. C'était écrit depuis le début. Donc on vous dit que pour faire la révolution, il faut parler d'une même et seule voix concernant nos revendications, et voilà nos revendications, c'est ça. Il faut adopter la loi du référendum populaire, autrement dit, le RIC, mais bon, ils peuvent changer de nom tous les jours. Vous comprenez bien là où ils veulent nous emmener. Après, je vous montrerai, hein, le ridicule du RIC une bonne fois pour toutes. Nous proposons donc une seule et unique loi à faire adopter, la loi du référendum populaire. Bon, alors, la vidéo, est-ce que j'ai été bloqué? Populaire numéro. Ok, heureusement que j'étais prévenant. Eh ben, vous êtes rapide là-haut, hein. Vous êtes rapide, hein. Vous voulez vraiment pas que je la mette la vidéo. Bah, c'est pas grave, regardez. Heureusement que j'étais là, prévenant. Attention, ce message Allez, s'adresse c'est à tous parti. les Français. Vous êtes tous concernés et avertis à l'avance de ce qui va arriver. Nous Là, vous nous pourrez appelons pas les la couper, hein. Constitueurs, nous sommes des Gilets jaunes, nous sommes vos enfants et vos petits-enfants. Nos actions ont un but ultime. Changer le système, en changeant la Constitution française. L'action Gilets jaunes est un succès sans précédent en termes de mobilisation, nous parlons de chiffres se rapprochant progressivement de mai 1968. L'exaspération des citoyens est générale, mais il sera nécessaire de changer deux points majeurs de la mobilisation si nous voulons vraiment gagner. Numéro 1, parler tous d'une seule et même voix concernant nos revendications. Nous proposons donc une seule et unique loi à faire adopter, la loi du référendum populaire. Numéro 2, nous devons changer notre forme de mobilisation, qui divise trop le peuple. Ainsi, nous allons bloquer l'économie en bloquant les grands ports maritimes français pour une durée indéterminée.
Voilà, deuxième point, vous reconnaissez les blocages qui nous ont fait tellement de mal au début, qui ont retourné tellement l'opinion contre nous et que tous les médias se sont frottés les mains en montrant donc des personnes légitimement énervées parce qu'on les laissait pas passer, s'énerver sur les ronds-points et ailleurs. Vous voyez que c'était écrit depuis le début, qu'on voulait nous emmener ce qui apparaît là, la grève générale, soi-disant, etc. Les blocages, là vous reconnaissez, les ports, tout ça, l'économie, là c'est écrit noir sur blanc. Ils veulent que vous bloquiez l'économie. Mais ça, c'est du suicide, hein. Je n'ai cessé de le rappeler. Tout ce qui est blocage, c'est du suicide pour le peuple, parce que non seulement on se bloque nous-mêmes, mais en plus les ports amènent je vais dire, des exportations, des importations qui nous concernent. Donc, si nous arrivions à manquer de tel ou tel produit, je ne sais pas, ne serait-ce que des couches de telle marque, eh bien, les prix mécaniquement vont augmenter. Si on n'arrive pas à trouver de l'essence, eh ben, les quelques stations-service qui auront de l'essence vont mettre le prix exorbitant. Et c'est pareil, si vous bloquez les transports, moi j'étais conducteur de métro, je sais ce que c'est, hein. On nous fait croire que ça paye les blocages, mais c'est au contraire, ça retourne l'opinion, hein, contre les bonnes causes. Donc vous voyez, les deux points, depuis le départ, ça a été ce qu'ils voulaient, c'est qu'on se parte dans un mouvement de blocage plus. Qu'on leur fasse donc cette modification de la Constitution, croyant que c'est nous-mêmes qui la voulons, avec instauration du RIC, et donc le blocage plus la revendication aurait fait que le mouvement aurait abouti très rapidement à ce qu'ils attendaient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une victoire, on a gagné, on n'a pas gagné la guerre, on a gagné une bataille. C'est que non seulement on a démasqué la plupart de leurs soldats manipulateurs, mais en plus, nous sommes sortis heureusement de tout ce qui est blocage. Mais en plus, leur RIC, pour l'instant, ils n'arrivent toujours pas à le glisser en revendication principale. Mais leurs moyens ne manquent pas, les amis, hein. Leurs moyens ne manquent pas. Allez, on continue. Il est temps d'agir de façon ciblée, organisée et pacifique, avec la plus grande ampleur possible. Français, soyez prêts, soyez nous, car nous sommes vous, nous n'avons pas de leader, pas de parti politique, pas de couleur, nous sommes la France. Numéro 1, la loi du référendum populaire. Le peuple français a de nombreux combats à mener, à titre d'exemple, le racket de la population par des taxes abusives, l'écologie, la santé, l'alimentation par l'agroalimentaire, la dictature. Est-ce que vous reconnaissez les discours dans les médias? Est-ce que vous reconnaissez le discours de Jacqueline Gourault? Est-ce que vous reconnaissez le discours de Flyrider? Est-ce que vous reconnaissez le discours de beaucoup? Ben, je suis sûr que si, hein. Pour les plus éveillés d'entre vous, là, tout ce qui est cité ici, c'est exclusivement ce qu'on nous sort, les représentants donc des Gilets jaunes particulièrement, je ne vous parle même pas des manipulateurs officiels, hein. Mais les soi-disant ceux qui nous représentent, ils sont obsédés que par ces thèmes-là. Ils veulent pas en sortir, ils veulent pas rajouter tout ce qui est famille, humain, sociétal. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Cette vidéo, elle est magnifique parce que elle dénonce tout le monde. Je vous montrerai la date, hein. Financières, des banques, etc. Nous sommes réalistes, ces combats ne peuvent être gagnés en une seule bataille. Il faudra donc gagner la première, la plus importante. Nous sommes déjà au front et il nous faudra arriver, d'une seule et même voix, à la table des négociations avec le gouvernement. Loi du référendum populaire, l'idée est la suivante. Un référendum pourra être soulevé par le peuple dès lors qu'au moins 600 000 Français auront signé une pétition sur un projet de loi ou un projet de révision constitutionnelle. Alors là, je vais faire une pause et on va revenir après. Comme ça, on va en finir avec cette histoire de RIC. Là, vous voyez bien, ils disent qu'il faut au moins 600 000 signatures pour initier un référendum, un RIC, une pétition ou ce que vous voulez. Peu importe, parce que nous ne sommes pas de la taille de la Suisse. Sachez que en Suisse, le RIC existe. Tiens, je vais mettre à l'écran. Le RIC existe depuis 1840, les années 1840, peut-être 48, je ne sais plus. Donc il y a eu 600 RIC depuis lors jusqu'à aujourd'hui en Suisse, mais la Suisse,
La Suisse, c'est un tout petit pays. Eux, ils ont besoin, je crois, de 100 000 signatures pour déclencher un RIC. Là, dans la vidéo officielle, parce que c'est une vidéo officielle du ministère, quand même, hein. Même, je dirais, de la maçonnerie. Ils disent 600 000. Moi, je dirais un peu plus, hein, parce que si vous reportez à la taille des géographiques françaises et démographiques, le nombre de votants, etc., on serait aux alentours minimum 700 000, si ce n'est 800 000 personnes pour que ce soit crédible. Et si vous avez, imaginez que si vous avez plusieurs RIC, donc plusieurs chiffrages, et qu'on ne peut pas faire non plus 15 RIC par an, ben là, les enchères vont monter. Et là, on va se retrouver dans ce que vous voyez, les vidéos qui font 3 millions de vues, qui seront jamais, jamais, jamais vos vidéos, et ce seront jamais, jamais des vidéos, par exemple, qui vont dénoncer la pédocriminalité ou les vrais sujets gravissimes. Donc vous comprenez, ils jouent avec nous comme ils ont joué en mai 68, comme ils ont joué à la Révolution française, comme ils ont joué toujours. Ils font croire qu'ils arrivent avec leur propre solution, clé en main, sauf que ils la font passer par un circuit pour que cette solution, vous vous l'appropriez et que vous la défendiez bec et ongles jusqu'au bout. Et après, vous allez vous asseoir et vous dire, c'est bon, j'ai gagné mon mai 68, j'ai gagné ma révolution, sauf que vous avez absolument rien gagné. Alors, donc on va rester sur leurs chiffres, on va rester sur 600 000, allez. Comme ça, on en finit. Plus personne n'arrivera à vous mettre en tête cette histoire de RIC. On va en finir. Alors, voilà ce que je vais vous mettre à l'écran. Vous rappelez 600 000, hein? Bon, regardez. Regardez les amis. Donc là, vous avez le nombre d'habitants sur les 100 villes les plus peuplées de France. Bon. Vous voyez que si vous arrivez à faire signer 600 000 personnes pour un RIC, ça veut dire que si vous faites la même chose pour vous faire élire, par exemple, maire d'une des communes, vous serez maire. Regardez de combien de villes en même temps. Et vous aurez 100% de vote, y compris des personnes qui ne votent pas, les non-inscrits, les jeunes, tout le monde, tous les habitants de toutes ces villes-là voteront pour vous à l'unanimité. Alors, pour arriver à 600 000, on va compter 10 à 50 000, on arrivera à 600 000. Vous serez maire à l'écrasante majorité du jamais vu dans l'histoire de l'humanité de Épinay-sur-Seine, Cholet, Beauvais, Hyères, Villejuif, donc là on est à 5, Saint-Quentin, Montauban, Chambéry, Niort, Cayenne et de Cergy. Mais si vous voulez, j'enlève Cergy, mais regardez, toutes ces villes-là, de Cayenne jusqu'à Épinay-sur-Seine, vous obtenez le vote total de tous les habitants. Mais on va faire plus simple. On va parler grande ville. Donc si vous obtenez encore une fois 600 000 signatures, on va monter. Regardez. Vous êtes élu. Je vais pas perdre de temps avec toutes ces grandes villes que vous connaissez, qui sont certainement de belles villes. Hein, j'ai pas de problème avec ça. On va aller tout de suite en tête de classement. La deuxième ville de France, vous voyez, Marseille, vous serez élu maire, parce que vous aurez 600 000, ce qui équivaut à peu près à 80% de 800 000. Vous serez élu dès le premier tour à une majorité écrasante à Marseille. Il faut vous rendre compte, hein, de ce qu'on est en train de dire, hein. Et vous serez bien entendu au deuxième tour de Paris. Voilà, comme ça c'est clair dans vos têtes, hein. On vous fait croire que il y a un jeu auquel nous n'avons jamais gagné. Le jeu des élections, et là non plus des villes aussi importantes, nous n'avons jamais eu la moindre petite chance en tant que peuple de gagner.
Ils vous font croire que ça y est, ils vous ont sorti une super invention, le RIC, et que c'est terminé. Dorénavant, nous gagnerons toujours. Si vous voulez encore défendre le RIC après ça, moi, mes chers amis, je ne peux rien pour vous, hein. Je continue avec les autres, hein. Ça sert à rien. On va pas se prendre la tête. Allez, on continue. Donc, on remet la vidéo. Donc la vidéo de manipulation gouvernementale, et je rappelle au passage hein, que ce soit réécrire la Constitution ou le RIC, je vais dire c'est la même chose, hein. C'est juste les dénominations qui changent. Hein. Donc là, ils l'ont appelé la loi du référendum populaire. Vous voyez bien que c'est la même manipulation, il y a juste le verbe, le nom, l'enrobage qui change. Hein. Ah oui, alors non, ça c'est... Voilà, c'était ici. Tout Français aura le droit de créer une pétition pour l'adoption d'une loi ou une révision de la Constitution. Dès lors qu'une pétition aura atteint le nombre de signataires requis, le gouvernement sera dans l'obligation de soumettre le projet à un référendum national. Le référendum populaire ne dépendra aucunement des volontés du président de la République, ni d'aucune autre instance comme l'Assemblée nationale ou le Sénat. L'adoption d'une loi votée par référendum populaire sera une obligation républicaine et se fera donc sans condition. Un site internet officiel supervisé par un organe de surveillance des pétitions devra être mis en place et communiqué à travers les principaux médias afin de faciliter la concertation du peuple et la signature électronique des pétitions. L'adoption d'une telle... Là, ai-je encore besoin de commenter, mais vous avez vu comment le système, les pétitions, est relayé par les principaux médias que vous voyez bien, ceux qui ont droit de citer dans les principaux médias ne parlent pas de ce qui nous intéresse, nous, et que moi, comme vous, nous n'aurons jamais aucune chance d'aller dans les principaux médias pour défendre telle ou telle pétition. Cette loi sera un outil d'une puissance incroyable pour les citoyens, qui auront désormais les moyens de lutter pour leurs différentes causes, en court-circuitant si nécessaire leurs représentants politiques. Cela ne doit pas nous fâcher avec les quelques élus qui savent dignement nous représenter. Ceci, d'ailleurs... Ah oui, forcément, si c'est pour dégommer un maire ou un député ou même un président, si t'arrives à avoir autant de votes que lui pour prendre sa place, autant aller te faire élire, hein, c'est sûr. Hein. Pourront se manifester en étant des partisans engagés pour la loi du référendum populaire. Numéro 2. Blocage des ports, mairies et préfectures. Cher peuple français, voici la première action vers notre liberté. Nous allons réellement bloquer l'économie pendant une durée indéterminée et continuerons tant que le gouvernement refusera de nous écouter. Malgré ces débuts divisés, l'action Gilets jaunes est un succès immense et inespéré. Donc vous avez vu, c'était quoi le projet, hein? C'est de mettre des situations indébloquables, blocage jusqu'à ce que le gouvernement nous entende, et puis le RIC, et au début, en préambule, c'était les taxes et toutes les histoires que les médias et les pseudo-représentants des Gilets jaunes nous rabâchent depuis le début. L'écologie, l'écologie, la planète. Nous rencontrons aujourd'hui un seul inconvénient majeur. Cette action divise trop le peuple, car de nombreux Français se sentent pris en otage par les concitoyens. Nous proposons de ne plus diviser les gens en modifiant la forme d'action. Cher peuple, nous ne nous adressons pas seulement aux Gilets jaunes mais bien à la population tout entière. Pour nos enfants, nous allons montrer au monde que la France est toujours capable d'être le pays des droits de l'homme. Nous allons bloquer totalement les grands ports maritimes français. Cela signifie 7 points de rassemblement en France, les ports de Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux. Donc d'après le gouvernement, pour démontrer que nous sommes le pays des droits de l'homme, il faut aller bloquer ces ports-là. Enfin, voilà. Marseille, à l'île de la Réunion, le port de la Pointe des Galets, en Martinique, le port de Fort-de-France, en Guadeloupe, le port Caraïbes, en Guyane, le port de Desgrâces-des-Cannes. De cette manière, non... Ce qui équivaut à complètement tuer les habitants des îles. Hein. Vous comprenez qu'on vous demande d'aller suicider vos propres compatriotes, hein, en gros, que l'île ne soit plus approvisionnée. Hein. Parce que, effectivement, si vous bloquez par exemple l'île de la Réunion et que sur l'île de la Réunion, plus personne ne puisse ni respirer ni vivre, eh bien ça gênera Macron, vous comprenez? Parce que Macron, lui, il vit sur l'île de la Réunion.
que ce soit Macron ou n'importe quel ministre. C'est d'une absurdité, hein, ces blocages et ces incitations au blocage. Et quand je pense que beaucoup de représentants des Gilets jaunes ont marché dedans, hein, d'ailleurs, là je vais vous montrer tout à l'heure si on a le temps, le fameux Jérôme Rodrigue qui a défilé avec les syndicats pour demander donc la grève générale, c'est-à-dire le blocage général. Non seulement l'économie sera bloquée à l'échelle nationale, mais aussi le monde aura les yeux rivés vers la France et verra de quoi les Français sont capables. Organisation. Un tel mouvement sera sans précédent et le gouvernement va vouloir tout faire pour l'empêcher. Nous devrons être exemplairement pacifiques et soudés. La mobilisation se présentera sous cette forme à l'entrée de chaque port. Des rassemblements pacifiques géants, sous forme de pique-niques en musique. Une occupation des lieux continue, nuit et jour, par roulement. Pour ceux qui auraient des difficultés à se rendre dans un des grands ports, nous invitons chaque ville à des mobilisations pacifiques de masse bloquant les mairies et les préfectures. Recommandations et sécurité. Faites des provisions dès maintenant, tant que possible. Les casseurs et personnes mal intentionnées seront signalés et livrés aux autorités. Concernant les forces de l'ordre, ils ne sont pas nos ennemis et beaucoup d'entre eux ne veulent plus servir d'armée privée pour une petite élite qui ne les respecte pas. Cependant, attention, nous savons qu'ils ont souvent la consigne de nous provoquer pour nous pousser au débordement. Donc ça, c'est la partie, bien entendu, hein, sinon c'est pas crédible. C'est la partie pour crédibiliser la chose. Et vous verrez qu'à la fin, ils vont vous prévenir que Macron... Vous avez vu comment on fabrique une histoire du début à la fin. C'est-à-dire que même moi, j'avais trouvé louche cette rencontre entre Macron et Zuckerberg. Et puis après, ça se tient. Hein. C'est un scénario, il faut le faire de bout en bout. Y compris s'il le faut aller signer un foutu pacte international avec l'ONU au Maroc, un scénario, ça, il ne s'écrit pas pour une semaine, et un scénario, il s'écrit dans la durée. Lorsque vous commencez avec un objectif des Européennes 2019, bah vous commencez pas 2 mois avant. Lorsque Macron est sorti de nulle part et qu'il a créé son parti, par exemple, pour gagner la présidentielle 2017, il n'a pas démarré en janvier 2017, il a démarré 1 an avant. Et là, c'est pareil. Hein, lorsqu'on monte un scénario pour viser, donc en quelque sorte, d'anesthésier les Européennes 2019, plus, encore une fois, absorber la colère comme ennui debout, et éventuellement pouvoir modifier la Constitution tranquillou, soi-disant que c'est nous qui l'avons voulu, il n'y a pas mieux, hein. L'État n'attendra qu'une chose, avoir de la violence à pointer du doigt, mais nous n'entrerons pas dans ce jeu. Ainsi, filmez et partagez autant que possible les faits et gestes suspects ou abusifs des forces de l'ordre. Mise en garde, l'enjeu de cette action républicaine est si énorme qu'il faut être conscient de ces 3 réalités. Le gouvernement a mainmise sur les réseaux sociaux, et des milliers d'utilisateurs ont dénoncé avoir vu leurs publications disparaître ou leurs comptes et pages Facebook bloqués. Cependant, ils ne peuvent pas tous nous contrôler. Il faut donc recourir au partage en masse des informations. Les grands médias décrédibiliseront le mouvement au maximum. Les forces de l'ordre seront probablement poussées à nous provoquer par la force. Le système a toujours utilisé les médias et les réseaux sociaux pour nous diviser, il ne tient qu'à nous en faire une force. Pour cela, un seul moyen, partager ce message à tout le monde, tous les jours, sur Facebook, Messenger, WhatsApp et autres. Téléchargez cette vidéo afin que si vos publications sont supprimées, vous puissiez la republier encore et encore. Appropriez-vous le mouvement, vous le faites pour vos enfants, pour la France, pour votre planète. Nous, le peuple français, ne céderons pas avant d'avoir gain de cause. Partagez car il s'agit d'un devoir national, un devoir parental, un devoir transgénérationnel. Vive la République, vive la France. Bon, ben là, ceux qui connaissent l'histoire de la République, ceux qui sont vraiment éveillés, je vais dire, ça passe pas. Hein. Un message, ils veulent qu'on soit républicain, alors que la République, c'est la franc-maçonnerie, et que nous combattons, d'abord, nous devrions combattre la franc-maçonnerie. Ben là, la franc-maçonnerie nous parle, elle nous téléguide comme toujours, et elle nous dit... il faut me défendre, en gros. Hein. Et ça, donc l'histoire, vous avez vu, là ça s'appelle les constituteurs. Hein. Après, bon, bah, c'est les constituants, mais bon, on reste toujours dans les mêmes thèmes. Hein. La loi, comment ils ont appelé ça ? Alors, là, c'est les constituteurs. Ce qui a changé peut-être, hein, peut-être, en constituant, allez savoir. Et là, ce qui était le RIC, c'est, ils l'ont appelé donc la loi du référendum populaire. Bon.
Alors, ce que je voulais vous montrer, donc, ensuite on va avancer. Il y a tellement à dire, les amis. Et donc voilà, regardons, voilà, c'est la vidéo. Pareil, là, on doit utiliser un nom avec des photos hein, d'une femme, aller savoir si elle existe vraiment. Donc, pour vous dire, regardez, 758 000 vues, et c'était il y a environ 3 mois, d'accord? Donc c'était au début du mouvement, à partager en masse. 36 024 partages, c'est effarant. 36 024 partages, ça, il n'y a qu'une machine, hein, qu'une machine pour pouvoir effectuer autant de partages pour si peu de commentaires. Moi par exemple, j'ai eu, lorsqu'il y a eu Flyrider qui était passé, à peine j'ai coupé le live, il y avait 15 000 commentaires et à peu près 300 partages. Hein. Même pas, oui, 300 partages. Donc là, regardez, vous avez presque 500 commentaires, mais là, une force foudroyante de partages. 36 000 partages, hein. Ça c'est l'arme nucléaire. Hein. Et là, regardez, par exemple, on va prendre un commentaire qui a été choisi. Vous voyez bien comment et c'est mal écrit, hein, ça c'est fait exprès. Alors là je vais vous lire, hein. Alors vous avez quelqu'un, regardez tous les noms qu'il possède, Lefebvre, André, Coco, Guevara. Tout ce gouvernement doivent être exterminés. Super. Ils sont tous malades du cerveau, ce sont des psychopathes, des schizophrènes, tous méritent la pendaison. Et la grosse tarte qui veut des impôts pour tous à leur patron, Macron, le maigriot. Je veux dire, qui un jour l'a traité de maigriot, hein, si c'est pas là fait exprès de manière totalement ridicule pour crédibiliser une espèce de dissidence, et après quand il finit par. Tout cela n'est qu'une histoire de temps, mais avec des points d'interrogation. Et donc, on va aller donc sur le profil de cette femme, qui, si elle existe vraiment. Hein. Donc, voilà, comme sur la vidéo, vous avez vu, il y avait un enfant. Et donc, bah, c'est bien, ça me permet de cacher les photos avec les enfants. Regardez donc son profil. Elle a 6 likes par-ci, un commentaire par-là. Bon. 35 likes, 5 commentaires. À mettre en parallèle avec les 36 000 partages. Hein. Bon, ici, il y a juste un like. C'est bizarre, hein. Elle n'a pas tant de fans que ça. Là, on a 74 likes, 9 commentaires. Là, donc... cette séquence que tout le monde a partagée. Là, on a juste 12 likes et 9 partages. Et là. Voilà, ce qui les intéresse, c'est toujours le carburant, le SMIC. Même moi, je l'avais partagé, la vidéo où la députée se fait pincer sur le SMIC, etc. Mais maintenant, à force, je me dis que c'est fait exprès pour que ça fasse l'actualité. Donc là, elle a partagé une publication, c'est pas elle. Hein. Par contre, l'autre, c'est elle qui l'a diffusée. Là, c'est un partage qu'elle a fait. Donc, elle a eu sur son partage juste un commentaire. Hein. Là, donc c'est un partage qu'elle a fait. Elle a 16 partages et 31 likes. Regardez ça. Le type de partage pour quelqu'un avec donc des enfants, une famille, tout ça, et une vidéo supposée être sérieuse pour fédérer le peuple français. Là, qu'est-ce que j'ai, docteur? Vous avez voté Macron. Est-ce que c'est vraiment sérieux, ça? C'est pour vous montrer hein, les profils robotiques, les profils, les coquilles vides. Là, vous avez des profils.
Lily, Fly, Linda. Alors, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, vous voyez, le 22 novembre, toujours la même manipulation de se concentrer donc sur les banques, toujours avec des chiffres à en devenir fou, hein. Des milliards par là, des 2048 par-ci. Ok. Et là, regardez, ça c'est intéressant. Ce message-là, il est bizarre. Pour des gens qui, vraiment, on l'a vu sur le français, ils n'ont pas le niveau. Là, nous avons un message américain. Qu'il faut vraiment être très à l'aise avec l'anglais et l'américain, enfin l'anglais américain, pour vraiment arriver à ne serait-ce que s'arrêter et aller jusqu'au bout. Voilà, ça, je voulais vous montrer ça. On voit les réactions, nous on comprend pas vraiment, hein. Qu'est-ce qu'elle demande à copier-coller, parce que copy-paste. On voit que ces commentaires aussi, non, ça n'a pas l'air d'avoir du sens. Hein. Là, lui, il met du caca, bon. Donc là, bon, pour crédibiliser, hein, si vous ne pouvez pas participer aux manifs, mais que vous les soutenez, amenez-leur des vivres au thé café. Merci pour eux. Bon, bah encore, si on peut y aller, alors ça veut dire qu'on participe. Et là, regardez les messages pour une mère avec son enfant qui sont assez, qui a les couilles de partager. Franchement, soutien à tous ceux qui sont là dehors, dans le froid, etc. Pour crédibiliser la chose, hein. Mais bon, ils vous mettent dehors, pas pour les bonnes raisons, hein. Ils vous mettent dehors pour vous faire tourner en rond. Voilà, donc elle est là la publication, vous voyez? La publication magique. Cette femme n'a rien fait d'intéressant. Elle a publié cette publication magique. Elle fait 36 000 partages, 500 commentaires, 2500 likes. Alors là, elle écrit « Ça va chauffer, écoutez bien, à partager en masse. » Et donc le 21 novembre 2018, ça veut dire que le mouvement était lancé déjà. Je vous rappelle que le mouvement a été lancé avant le 17 novembre. Moi, comme d'autres, nous avons tout fait pour le déclencher le 11 plus tôt, tant qu'à faire, vu qu'il y avait 100 chefs d'État sur Paris. Je n'ai pas réussi. J'ai fait des vidéos pour inciter les gens à sortir avant le 17, le 11. Ça n'a pas marché. On n'a vu aucun gilet jaune. Hein. Et là, donc, vous voyez que le système, 4 jours après le 17, il a vu que ça a pris. Il a commencé déjà à récupérer. Mais il a commencé avant. Hein. Mais là, il a diffusé ce message-là. Le 21. Et là, voilà. On a déjà, voilà, vous voyez, je vous avais dit. Là, ici, on parlait d'espèces de... Comment ils ont appelé ça, la loi. La loi de référendum, enfin, je sais plus. Et là, on l'a. Regardez. On veut le RIC. Référendum d'initiative citoyenne. Et on a le message, le RIC c'est bon pour la santé. Voilà, c'était déjà prêt. Ça a pris le temps d'être transformé. Et là, vous avez que des cantes avec leur logo jaune à la con, là. Et là, regardez. Donc le même jour, elle n'est pas très active, mais le même jour, elle partage cette vidéo. Et elle partage cette photo. Et vous voyez, elle écrit carrément « Pour ceux qui ne comprennent toujours pas le mouvement des gilets jaunes, voici un petit dessin. » Et là, voilà, vous avez les revendications des gilets jaunes médiatisés, les revendications du système, les revendications des médias. Je veux dire, il n'y a pas mieux, tout est sur la photo. Tout ce qu'on nous a fait croire que c'est notre problème fondamental et qu'il n'y en a pas d'autre, tout est ici. Nous avons un problème avec les timbres, avec les carburants, bien entendu,
avec la CSG, avec le gaz, le fuel, le tabac. Nous avons un grave problème avec le tabac. Il est très très cher. L'électricité, le contrôle technique, Jacqueline Moureau, les frais bancaires, hein, là ils sont beaucoup sur ce terrain-là, les banques, les banksters, etc. La carte grise, Jacqueline Moureau, qui nous disait qu'il y a une carte grise sur les vélos, et l'on a peur. Les assurances, l'hôpital, hein, ça c'est aussi, le gouvernement aime bien étrangler l'hôpital pour justement feindre vouloir le sauver. Ok. Le stationnement, tant qu'à faire. La mutuelle, pourquoi pas. Le bus, tiens, le bus, c'est notre revendication. Le bus à Macron, peut-être. Les péages, bien entendu, et les timbres, ça c'est très important, les timbres. Voilà, moi, j'aurais mis une grande bulle ici, par exemple. J'aurais mis les guerres, par exemple. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein, je veux pas m'imposer, mais moi j'aurais mis par exemple une grosse bulle, j'aurais mis les guerres, ou alors je sais pas, comme ça, vite fait, les placements abusifs d'enfants, ou l'école idéologique française, ou la censure sur Internet, enfin je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Donc elle a partagé le jour même. Elle a publié la vidéo, c'est elle qui l'a publiée. Hein. J'insiste, la vidéo, ce n'est pas un partage, hein. C'est elle qui l'a publiée. Et le même jour, donc le 21 novembre, elle partage ce copain-là. Et elle dit, elle, dans le commentaire, elle dit, pour ceux qui comprennent toujours pas le mouvement des Gilets jaunes, voilà un petit dessin. Voilà, au cas où vous êtes con, c'est ce que nous voulons, les Gilets jaunes. Et donc, toujours hein, on va dire, les mêmes pertes de temps. Hein. C'est-à-dire que c'est l'État qui vous pousse à faire des pétitions et à vous plaindre de ce même État. Là, on parle de l'État visible. Hein. Il ne faut surtout pas vous plaindre de la franc-maçonnerie. Et voilà, regardez. Donc là, cette vidéo, là, ici. Donc là, vous l'avez vu deux fois, cette affiche. Hein. La pétition Tous à Paris pour l'acte 2 contre la hausse des taxes. Voilà. On vous a déjà, depuis le début, on vous a déjà guidé qu'il faut manifester contre la hausse des taxes. Et tous les pseudos, donc gilets jaunes qui nous représentent, ils ont tous chanté la même musique. On a été enfermés dans ces foutues taxes pendant longtemps. Alors, je descends, voilà. Et là, bon, elle est fière d'être bleue. Ok. Voilà. On met les photos. Voilà. Ici, donc, elle a aimé d'un coup en décembre 2010. Elle a créé donc son compte et d'un coup, elle a aimé plein, plein, plein de causes. Donc, bien entendu, hein, ensemble contre le cancer et qui est lié, bien entendu, quand on lutte contre le cancer, on fête le pastis à Marseille et après, donc, on fait contre le cancer. Et bien entendu, il faut être contre le racisme aussi, hein. Et aussi, il faut être capable de boire plus qu'un verre à l'apéritif. Rejoignez ceux qui sont incapables de ne boire qu'un seul verre à l'apéritif. Il faut protéger les mineurs en même temps des abus d'alcool, bien entendu. Buvez pour eux, hein, buvez à leur place. Save water, drink champagne. Économisez l'eau, buvez du champagne. Ici, bon, bah, il n'y a plus rien. Sauver la forêt amazonienne, hein, ça peut aider les timbres en France. Soutenez ceux qui sortent boire juste un petit verre et finissent par boire des seaux toute la nuit. Voilà, ça c'est important de soutenir ça.
Non à l'excision des fillettes. Ah bah ça, alors là, ça si c'est pas important. Alors elle aime Three Mind, truc d'amour. Elle aime le test. Ça a disparu. Elle aime bon bah ces sites-là. J'ai mis. Elle aime bien entendu les bleus. On est tous avec les bleus. Là, elle parle toute seule. Voilà. Ah ben, on l'a eu, notre signe fort, hein, Lolo? Il y a 8 ans. Bon, elle a dû effacer entre-temps beaucoup de choses. Hein. Et donc, elle a commencé par jouer à Farmville. Et là, donc, une vidéo à regarder absolument, où elle fait juste un like. Et voilà, tout commence là, 2009. Après, on a eu beaucoup de passages à vide jusqu'à cette magnifique vidéo très très forte. Alors, on va remonter, on va continuer l'analyse. Vous allez comprendre plus, on va avancer. Ne vous découragez pas, vous allez voir à la fin, ça vaut le jeu en vaut la chandelle. Restez connectés. Je suis désolé pour l'heure tardive. Donc, tout ça, on va passer, on va remonter sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, et ben voilà. Que fait cet homme? Que fait-il là? Eh bien, regardez combien il a fait de vues. 1 535 726 vues. C'est énorme. C'est énorme, cet homme que peu de personnes connaissent, hein, personne ne connaît. Et regardez, ça vous rappelle pas une certaine vidéo de Jacqueline Moreau? Regardez le début. Alors, si on me laisse la Salut montrer. à tous. Je voudrais juste apporter quelques précisions, notamment à cette députée de La République En Marche, cette gamine que j'ai vue. Salut à tous. Je voudrais juste apporter quelques précisions, notamment à cette députée de La République En Marche, cette gamine que j'ai vue ce matin venir me faire la leçon et expliquer sur les chaînes de télé devant un parterre de journalistes énamourés que les Français avaient du mal avec le consentement à l'impôt. De qui se fout-on? En tout cas, on se fout de ma gueule, ça c'est certain. Moi, j'ai appris à quoi servaient les impôts, j'avais 12 ans. J'ai payé mes premiers impôts, j'en avais 18. Aujourd'hui, je paye mes impôts, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi mes impôts ne me donnent pas une des meilleures écoles du monde, sachant qu'aujourd'hui, les Français sont les plus imposés du monde. Pourquoi est-ce qu'on ne résout les problèmes ou on nous fait croire qu'on résout les problèmes qu'en inventant des nouvelles taxes? Messieurs et mesdames les politiques, on a mis ceux qui nous ont gérés et très mal gérés depuis 40 ans dehors, pensant que cette nouvelle génération allait être meilleure que l'ancienne. Nous sommes toujours les mêmes, toujours les sans-dents, toujours ceux qui avons du mal à acheter des lunettes, celles que je porte sur mes yeux, toujours ceux qui avons du mal à chauffer maintenant nos maisons, toujours ceux qui calculons sans arrêt chaque euro pour essayer de savoir comment on va terminer nos fins de mois. Et vous venez nous donner des leçons, vous venez nous donner des leçons alors. C'est à mourir de rire, hein. Retenez bien tout ce qu'il a dit, hein. Qu'il est, lui, il est sans dents, il n'arrive pas à acheter des lunettes, sauf, bon, bah, il dit, comme celles que j'ai sur le nez, bon, donc il arrive bien, et il a du mal à finir ses fins de mois, hein. C'est qu'on nous a bassinés longtemps avec ça, regardez par qui on est représenté, nous, hein, il est comme nous, il n'arrive pas à finir ses fins de mois, vous allez mourir de rire. Alors que vous augmentez vos collaborateurs estimant qu'un salaire de 5 000 euros est indécent? Mais combien de Français aujourd'hui vivent avec 5 000 euros? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous déplacer sans véhicule en dehors de votre ville de Paris? Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre des transports en commun surchargés, bondés, qui ne peuvent même plus arriver à transporter l'ensemble des voyageurs dont c'est un besoin vital? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'habiter au fin fond d'une province et devoir vous rendre ne serait-ce que dans une perception aujourd'hui? Ben déjà, il faut savoir où elle est. Une poste, il y en a de moins en moins.
Les services publics, c'est peau de chagrin. Pourtant, ça nous coûte de plus en plus cher. Et vous venez nous dire qu'on a du mal avec le consentement à l'impôt. Moi, j'ai du mal avec le consentement à la connerie. Moi, j'ai du mal avec le consentement et l'acceptation de vos bêtises. Je n'arrive plus à supporter tout ça. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que le citoyen qui était, par exemple, un bon père de famille quand il roulait à 90 km/h il y a quelques mois, aujourd'hui est devenu un délinquant s'il roule à 90 km/h. Mais vous vous moquez de qui ? J'en ai ras-le-bol d'entendre quelqu'un comme Darmanin venir dire « Je vais scruter vos réseaux sociaux pour aller prendre ou redresser le Français qui aurait grugé. » Les 80 milliards d'impôts qui échappent à la France, c'est qui ? C'est nous ? C'est le petit artisan, le petit commerçant, la secrétaire médicale, l'assistante dentaire ? Mais vous vous moquez de qui ? Ce sont les très grandes entreprises. C'est ceux-là même qui aujourd'hui font de l'évasion fiscale. Mais vous n'allez pas les chercher, c'est ceux-là qui vous financent. Arrêtez de vous moquer de nous. Arrêtez de nous faire culpabiliser. Vous êtes complètement devenus fous. Ça, c'est plus possible. Donc il faut que vous compreniez que cette histoire de gasoil, cette histoire de pétrole, c'est peanuts par rapport à 40 ans de gouttes d'eau chinoise sur notre front. Aujourd'hui, le peuple en a ras-le-bol. Ras-le-bol de l'incompétence. Et des idées, on en a. Je vais vous en donner une. J'en ai plein, moi. Je peux vous en apporter plein. La France est le pays qui épargne le plus au monde. Vous savez pourquoi on épargne ? Parce qu'on a peur de vous. Donc on met de l'argent en se disant, ils sont tellement cons que demain, ça va être pire. Alors, il faut qu'on prévoie. Donc, on n'arrête pas d'épargner. On gagne rien hein, sur cette épargne. C'est absolument peanuts. Il n'y a que les banques qui gagnent sur notre épargne. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pas comment financer la transition écologique ? Eh bien, il y a 2000 milliards sur les comptes des Français. On va pas leur prendre. Ah non, sûrement pas, parce que ça nous appartient, c'est notre argent. Par contre, vous allez créer un haut commissariat à l'énergie écologique, dans lequel les Français qui le désireront pourront investir avec un argent qui sera rémunéré sur la recherche, développement des nouvelles techniques qui rendront l'énergie fossile caduque et nous permettront de chauffer, nous permettront de nous déplacer. Faisons de la recherche, finançons cette recherche avec l'argent justement qui est sur ces plans épargne qui ne rapportent rien et rémunérons bien les Français pour le faire. Et là, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Et les Français sont prêts, je suis sûr qu'ils sont prêts à investir, sachant qu'ils vont récupérer sur investissement, parce qu'il faudra rémunérer, bien sûr, ces investissements. Il ne faudra pas les prendre pour des boucs, parce que jusqu'à présent, vous nous avez pris pour des boucs. Juste bon à baisser la tête et à avancer devant le troupeau. Maintenant, c'est terminé. Donc, il y a plein d'idées. Développons les pistes cyclables. Mettons les camions sur le train, faisons du ferroutage, utilisons le fluvial, on a un réseau fluvial extraordinaire, on a un réseau maritime énorme. Qu'est-ce qu'on attend pour faire de la marémotrice dans des grandes quantités ? Devenons un pays exemplaire, mais amenez-nous dans un grand plan, montrez-nous un avenir qui soit un avenir radieux. Mais c'est sûr que ce ne sont pas les députés LREM que je vois tous les jours qui viennent simplement mâchouiller des éléments de langage comme un vieux malabar qui vont nous proposer ce genre de choses. Non, 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 ce sont tous des ânes bâtés qui sont derrière, et batté, vous savez ce que ça veut dire, hein, quand on a mis le bas sur le cou, on leur fait baisser la tête. Donc au lieu de relever la tête et puis de regarder l'avenir, ils ne regardent rien, ils baissent la tête devant le chef ou les chefs, mais ce sont de très petits chefs, tout petits chefs. Moi je demande à ces chefs d'arrêter de nous prendre pour des abrutis, peut-être de débattre les ânes, peut-être de discuter avec le peuple, et puis ne pas continuer à nous provoquer, à nous infantiliser et à nous humilier. On a des idées, on n'a pas de pétrole, mais on aimerait bien aussi qu'on nous écoute. Parce que sinon, ça risque d'être beaucoup moins drôle dans quelques mois, voire quelques années. Donc faites bien attention, on est un peuple gentil, on est un peuple intelligent, et on en a ras-le-bol, ras-le-bol de l'incompétence crasse de ceux qui nous dirigent. Sur ce, bonne journée. Donc les amis, c'est énorme, hein. Je suis désolé, je sais que c'est insupportable, mais il fallait que je vous mette l'intégralité. Donc, il nous explique que... Alors, je vais me mettre... Hop. Donc, il nous explique que nous, les sans-dents, enfin, lui, il est avec nous, hein, nous, les pauvres et les sans-dents, on peut changer les choses. La solution, c'est qu'on améliore les rendements sur les placements des produits financiers
Si on place notre argent, eh bien, on pourra sauver la planète parce que l'écologie, et puis il y a 2000 milliards, etc. Et si on fait les pistes cyclables, alors oui, et puis on développe le trafic fluvial. Enfin, je vais vite, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Vous n'avez pas l'impression que c'est une vidéo à la Jacqueline Moureau ou à d'autres? Vous n'avez pas l'impression que c'est le même discours? Alors, heureusement qu'on ne nous l'a pas sorti celui-là, parce que là, ça aurait été rageant, hein, rajouter à toutes les fausses, on va dire, priorités, les fausses priorités que nous ont sorties les Flyriders, les Drouet, la Jacqueline Moureau, et là aujourd'hui Rodrigue et d'autres. Heureusement que celui-là, il l'a gardé un peu au placard, mais il dit à peu près la même chose. Alors, et là vous allez découvrir qui c'est cette personne. Là vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc je vous ai montré tout ceci. Eh bien, mes chers amis, j'espère que vous avez remarqué comment cette personne a semblé, a fait semblant d'être révoltée, parce que comme j'ai lu, bien entendu qu'il œuvre dans le même système et dans le même but que Macron, que les députés LREM, et là on ne sait pas qui il cite exactement. Mais tout ça, c'est un vaste jeu. J'espère qu'il joue très bien. J'espère que sa vidéo où il fait semblant qu'il est révolté, cette personne qui n'a aucun problème d'argent, qui dit qu'il a du mal à finir ses fins de mois, qui se considère comme un sans-dents et qui n'a pas de quoi s'acheter des lunettes, sauf qu'il s'est rappelé qu'il avait des lunettes sur le nez. Hein, bon. Il a dit, j'ai même pas de quoi m'acheter des lunettes comme les lunettes que j'ai sur le nez. Enfin, vous imaginez le délire? Ben voilà, c'est ce que vous voyez tous les jours, les représentants des Gilets jaunes, ceux qui sont dans les médias pour soi-disant analyser, pour donner leur avis, les journaleux, tous, c'est des comédiens. C'est leur talent, c'est ça, c'est le mentalisme, parce que c'est un mentaliste, vous allez le voir. C'est des comédiens, c'est des gens qui. C'est une science qui ont été formés à l'ingénierie sociale, ou alors qui ont été ramassés pour ce talent-là, ramassés que ce soit dans des prisons, ou après une mauvaise passe, etc. C'est des gens qui ont été, on va dire, forgés par la vie, ou qui ont fait des études des élites. Alors effectivement, comme ce monsieur-là qui a fait des études, vous verrez tous les diplômes qu'il a, c'est le haut, c'est le haut du pavé. On va jamais le sacrifier, il se laissera pas sacrifier. Mais ceux qu'on va utiliser, le bas, ceux qu'on va ramasser, encore une fois, que ce soit dans les prisons, etc., ceux-là, on les sacrifiera. Ils finiront explosés dans un attentat, ou ils finiront lynchés par la foule, comme certains gilets jaunes médiatisés aujourd'hui, que vous avez vu lynchés par la foule, le Vavasseur, et les autres vont suivre. D'ailleurs, deux sont venus ici devant votre serviteur. Voilà, vous avez vu hein, ce qui les attend après. Hein. Donc voilà, ça il faut le comprendre. Donc là, on a quelqu'un de très très puissant. Et je répète que Jérôme Rodrigue n'est pas n'importe qui. Jérôme Rodrigue, il est très très qualifié, contrairement aux autres. C'est pour ça qu'il est arrivé vers la fin de nulle part. Jérôme Rodrigue, il avait un brillant avenir devant lui, enfin, de ce qu'ils lui ont préparé, et un énorme rôle à jouer dans les années à venir. Maintenant, est-ce que grâce à moi, leurs plans vont être modifiés? Mais Jérôme Rodrigue, c'est quelqu'un de très, très, très calé, les amis. C'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo. C'est Macron, mais si tu veux, Macron. Façon pauvre, voilà. Allez, donc on regarde donc le profil de ce jeune homme, Dominique Simoncini. Voilà. Donc il a fait plein de vidéos, hein. Révolté. Il a changé parce qu'il n'a pas le droit, il n'a pas de quoi s'acheter des lunettes. Regardez, il était avec les blanches. Là, c'est des lunettes. Bon, je dois pas mettre. Enfin, regardez par vous-même sans que je passe la souris. Ici, c'est des lunettes bleues. Ici, c'est des lunettes rouges ou marron. Rouge. Et donc les lunettes blanches. Et là, c'est d'autres lunettes. C'est des noirs. Là, bon, bah après, c'est des lunettes de soleil.
Ben, vous avez vu tout le nombre de lunettes qu'il ne peut pas s'offrir, parce que lui, il n'arrive pas à finir ses fins de mois, et c'est un sans-dents comme nous. Il peut pas prendre de vacances, il n'a pas de cheminée, il est vraiment dans la misère la plus absolue. Et donc, vraiment, il faut qu'on l'écoute et qu'on se révolte pour les taxes, parce qu'on paye trop de taxes, nous les sans-dents, et ça doit être notre combat premier. Voilà. Et on se retrouve tous à Chamonix, bien entendu, les amis. Hein. Et donc, on va regarder donc au hasard, cette vidéo qui va vous permettre d'en savoir un peu plus sur ce monsieur qui s'est apparemment, vous allez voir tout ce qu'il est capable de faire. Hein. Déjà, il est capable de changer plusieurs fois de plusieurs lunettes. Eh bien, vous allez découvrir un peu plus. Regardez. On a fait ce qu'on a pu, on a fait des belles choses, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Mais j'ai une expérience vraiment remarquable, c'est-à-dire que sur Val Thorens, au départ, quand j'ai démarré, bah, je tournais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais écoutez, et c'est il manquait important toujours un petit peu, il manquait 10e par-ci, 10e par-là. Alors c'est la voiture, c'est pas la voiture, c'est les coups, c'est pas les coups, c'est ci, c'est ça. Et puis en fait, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais t'as quelqu'un qui s'occupe un peu de toi, un préparateur, machin. Je dis, oui, je cours, je alors, je fais plein de choses, mais mental, parce que t'as quelqu'un qui s'occupe de toi. Et un coach mental. Pas du tout, voilà. Et en fait, j'ai fait appel à quelqu'un en passé entre Noël et Andorre. Ah, c'est pour ça que ça allait mieux après. Et effectivement. Faut pas le dire à tout le monde, ça, le non, secret. Mais très franchement, il y a eu un travail fait, et ce travail a marché, puisque le week-end d'après, j'ai gagné Andorre. Donc, j'ai pas appris à conduire dans la semaine, hein, la voiture n'a pas non plus été changée complètement dans la semaine. C'est juste une approche, et je pense que. Si on veut gagner un championnat, si on veut réussir dans ce truc-là, c'est tellement court et tellement exigeant qu'il faut tout mettre de son côté. Et aujourd'hui, j'y crois vraiment. Donc effectivement, cette année, je vais faire intégrer un coach mental pour... alors moi, c'est fait. Je voudrais bien qu'il s'attarde sur le cadre de mon coéquipier. Qui va certainement me dire qu'il n'en a pas besoin. Mais en attendant, voilà, ça mange pas le pain. Et ce soir, il m'a fait le plaisir d'être avec nous. Et je voulais depuis juste tout à l'heure, il le présente. Depuis tout à l'heure, il le présente. Mettre un visage en fait sur cette personne qui a été très importante dans le passé. Voilà. Dominique Simoncini, préparateur mental. Bonsoir. Je vais vous dire votre secret là, parce que je ne pense pas quel boulot vous avez fait avec Sylvain, mais vous confirmez qu'il y a vraiment eu un avant et un après, Dominique. Ça, lui, il peut le dire. Il l'a dit, mais vous pouvez confirmer ou non. Bah écoutez, oui, manifestement, il y a eu un avant et un après, on a travaillé ensemble, ça a été un feeling qu'on a eu immédiatement l'un envers l'autre, parce que c'est aussi ça, il faut qu'on ait un feeling commun. Et on a commencé un travail durant toute la saison, qui était sérieux et très agréable à faire, et qui lui a permis, je pense, de bien gérer sa saison. Sans vous dévoiler les secrets, mais c'est quoi? C'est du travail de respiration, de visualisation, un petit peu de sophrologie, ou j'y suis pas du tout? Alors ça, c'est des outils. Ça, c'est des outils. En fait, moi, je suis un homme de l'ombre qui intervient et qui reste plutôt en ombre. Mais c'est, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, on parle d'émotion. On n'a pas arrêté de parler d'émotion. Les pilotes parlent des émotions, les staffs parlent d'émotion. Et en fait, c'est par l'émotion que tout se passe. Et l'émotion, c'est dans le ventre. Et les pilotes, ils le savent, ils pilotent avec le ventre. Ils ressentent leur voiture dans le ventre. Et moi, mon travail, c'est de leur apprendre à gérer les émotions, de les contrôler, de ne pas les annihiler, parce qu'annihiler une émotion, c'est quelque chose qui va scléroser la performance. Et donc, moi, c'est optimiser la performance. Et on le voit, il y a un staff autour d'une voiture qui est très, très important pour s'occuper de tout ce qui est mécanique, de tout ce qui est réglage, tout ce qui est pointu. Et puis, généralement, il n'y a pas grand monde autour du pilote. Et pourtant, c'est lui qui va être capable de sublimer la performance qui a été créée par tout le staff technique, les ingénieurs, tous ceux qui ont surveillé la voiture. Et si le réglage du pilote n'est pas optimal,
tout le travail qui a été fait en amont, il n'existe plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit émerger des préparateurs mentaux. Moi, j'ai une formation de psychologue du sport, je suis spécialisé là-dedans, et je me mets au service du cinéma. En plus, toi, tu te rajoutes une pression supplémentaire par rapport aux autres pilotes. C'est que tu amènes à chaque fois, t'es ambitieux, donc t'as encore pas envie de décevoir, c'est dur à gérer. C'est encore plus difficile pour lui, parce que vous rendez bien compte, ce soir, il y a un énorme travail qui a été fait, un travail de manager, un travail d'entrepreneur, et c'est un travail supplémentaire qui lui incombe, qui se met sur le dos, une pression colossale, parce que lui, il a la pression de la réussite de son entreprise, il a la pression de la réussite pour l'ensemble du staff, puis lui, en même temps, il se met derrière le volant. Donc c'est très très compliqué ce qu'il fait. Et donc, il faut qu'il apprenne à séquencer les choses et se mettre au bon endroit, au bon moment. C'est pas toujours évident, c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'on essaie de travailler là-dessus. Et alors, vous travaillez avec d'autres sportifs de haut niveau, j'imagine ? Je travaille avec des pilotes de Grand Prix, je travaille avec des gens d'équitation de France, du biathlon, je travaille avec beaucoup d'athlètes, je travaille avec beaucoup de chefs d'entreprise aussi, des cadres, je travaille pour le groupe Shell, donc voilà, j'interviens dans pas mal de domaines parce que ce sont des. Il y a vraiment des passerelles qui se font entre la très haute performance sportive et la très haute demande de performance dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile à gérer en ce qui concerne le sport automobile ? Est-ce que dans leur tête c'est encore plus compliqué ou plus simple, ça arrive que du ski ou du biathlon ? Non, c'est pas plus difficile qu'un autre athlète parce que ce sont les mêmes codes, c'est les mêmes résonances, c'est le même fonctionnement. C'est simplement, c'est peut-être difficile, c'est la première approche, c'est faire le premier pas comme avait Sylvain, c'est à un moment donné se dire, je mets une énorme infrastructure autour de moi, je demande beaucoup à mon infrastructure technique. Et en même temps, moi, est-ce que je suis capable de m'imposer des choses qui vont régler de manière un petit peu plus pointue mon ingénierie personnelle? Donc là, c'est après, une fois que la démarche est faite par l'athlète et par le pilote, généralement, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a que, je dirais, une petite différence, c'est quand on travaille avec un pilote de GP moto, il y a un très très gros risque physique. Bon, il y en a dans la moto, hein, dans l'auto. C'est un peu plus protégé. Plus, voilà, ils sont un peu plus carrés qu'en moto. Donc en moto, il y a une très très grosse pression. Donc on vous voit toute la saison, ou ça c'est un travail qui se fait le jour même, la veille, ou alors dans la semaine avant? C'est comme le reste, c'est en amont. C'est en amont. Donc vous regarderez dans la chaîne qui les résultats de votre poulain. Bon, j'ai gagné un nouveau client. Dominique Simoncini, le préparateur mental de cette équipe, il va amener beaucoup de gens ici. Et puis il va faire gagner des places. Super. Donc les amis, je pense que vous avez entendu comme moi, hein, à aucun moment il a parlé des vélos, des pistes cyclables, de l'écologie, qu'il lui manque 10 euros pour acheter une paire de lunettes. Je pense que vous avez entendu. Alors attendez, j'en arrête ça, voilà. Vous rappelez donc sa vidéo où il parle seul, l'une vidéo parmi les vidéos, vous rappelez? Elle a fait 1,5 million de vues. Hein. 1,5 million. Donc regardez, ici, il ne fait rien du tout. Il fait à peine 2 partages et 49 likes, 29 commentaires. Et c'était il y a 4 mois. Ok, donc là, on va avancer. Vous n'avez pas fini avec les surprises. Hein. Restez les amis, je sais que il est tard et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent demain, mais vous allez voir, il y en a une belle qui arrive. Il y en a une belle. Je vous la garde. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Alors, regardez, c'est retour en arrière. Je suis certain que ça va vous faire plaisir. Moi, j'ai regardé ça tout à l'heure avec beaucoup de bonheur parce que
ça m'a permis de revoir beaucoup de choses. Donc du début des Gilets jaunes, c'est à peu près la même date. Hein, Alors, je vais vous donner la date. Donc c'est le 19 novembre. On va regarder le journal de M6 du 19 novembre 2018. Souvenir. Les Gilets jaunes avaient démarré donc 2 jours auparavant leur premier acte. Regardez comment le système donc ressort ça et comment il s'adapte. Et là, ça va vous faire bizarre parce que vous allez faire beaucoup de lectures dans leur manipulation. Vous allez voir, c'est de toute façon, depuis le début, je vous le dis, c'est que des gens à eux, ou alors si l'interview ne leur convient pas, ils la diffusent pas tout simplement. Alors regardez, ils vont donc parler beaucoup des Gilets jaunes, et regardez les interventions des Gilets jaunes, ils vont pas parler des guerres, ils vont pas parler des enfants, ils vont pas parler de la santé, des vaccins, tout ça, ils vont pas parler de la franc-maçonnerie, mais vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Allez, on regarde. Novembre, voici les titres. Le mouvement des Gilets jaunes est-il en passe de s'étendre? Les automobilistes en colère bloquent les dépôts de carburant et pourraient être rejoints par des chauffeurs routiers et des agriculteurs. Coup de tonnerre dans le milieu automobile. Carlos Ghosn vient d'être arrêté au Japon. L'emblématique PDG du groupe Renault-Nissan est accusé d'avoir... le cas d'un chauffeur de bus scolaire qui a mis à la... Les automobilistes en colère pourraient être rejoints par des chauffeurs routiers et des agriculteurs. Ils bloquent déjà les dépôts de carburant. Le point avec Thierry Maurer, Jérôme Régali et Marie Meyer. Ils sont arrivés vers 2h cette nuit pour bloquer ce dépôt de carburant. On bloque les sorties d'essence, on bloque tout. Pourquoi ce site? Parce que c'est stratégique. Là, on touche directement les taxes de l'État, quoi. Après un week-end de mobilisation, les Gilets jaunes veulent frapper fort en ce début de semaine. Depuis ce matin, plusieurs dépôts de carburant sont ainsi bloqués, dont ceux de Fos-sur-Mer et du port de la Palisse à La Rochelle. Sur le bord de la route, les camions-citernes s'accumulent. Les Gilets jaunes espèrent désormais que les chauffeurs routiers les rejoindront bientôt. Cette semaine, plusieurs syndicats de transport doivent d'ailleurs se réunir pour en parler. Et c'est difficile de contacter des gens des Gilets jaunes. C'est tellement un agglomérat de personnes différentes. Il est vrai qu'il se pourrait que demain, nos organisations syndicales ou professionnelles rejoignent certaines revendications qui ont été exprimées par les Gilets jaunes. Parce que nous, dans le transport, aujourd'hui, on subit plein de fouets dans les professionnels du transport, toute cette problématique de taxation. Des routiers qui affichent déjà leur soutien lorsqu'ils passent à certains barrages, comme ici près de Grenoble. Et s'ils n'ont pas encore choisi de participer, certains taxis, eux, ont déjà sauté le pas. Moi, j'étais dimanche. Là, c'est parce que j'ai une obligation. Sinon, j'aurais été avec eux, tout simplement. À partir de cet après-midi, des agriculteurs devraient également se mobiliser. Dans la Creuse, 5 barrages filtrants seront installés à l'aide de tracteurs. De nouveaux soutiens pour les Gilets jaunes, qui entendent élargir au maximum leur mouvement. Le cap est bon, nous allons le tenir. Ce n'est pas quand ça souffle qu'il faut le changer. La phrase a été prononcée hier par Édouard Philippe lors d'une interview télévisée. Si le Premier ministre entend la colère, il réaffirme que la politique fiscale du gouvernement... Les amis, déjà, vous avez vu, hein, ils montrent que les blocages et il faut bloquer. Ils ont presque montré la même carte qui appelle à faire les mêmes blocages des raffineries. Bon, allez, je vais pas faire durer le plaisir plus longtemps, parce que moi, je voulais mettre la vidéo en totalité. Peut-être je reviendrai dessus après. Allez, regardez. Tiens, je vais vous la faire comme ça. Non, je vais vous la faire comme ça. Regardez, vous rappelez, regardez cet homme. Vous voyez ? Thierry Douin, président de la fédération CFTC,
FTC Transport. Voilà, donc les camionneurs, les syndicats de camionneurs, retenez bien son visage, regardez comment il est. C'est important parce que ces gens-là, ils sont très forts, hein, avec leurs lunettes, leurs barbes, leurs chapeaux, tout ça. Ils changent de visage comme ils veulent. Vous avez bien regardé dans son visage? Ok, on y va. Regardez, on va revenir donc sur le fameux Simoncini. Regardez, Radio Brunet, RMC. Quelle solution pour réduire la pollution en France? La réponse de Dominique Simoncini qui est venu prendre le contrôle de Radio Brunet aujourd'hui. Réponse de Thierry Duhine, président de la CFTC Transport. Regardez, regardez, c'est à mourir de rire déjà, regardez. Il n'est plus le même, c'est plus la même coiffure, il nous a mis de très grosses lunettes. C'est vraiment plus le même. Vous avez vu, la coiffure change. Il y a tout qui change. Vous avez vu? Allez, on regarde parce que là, c'est génial. Vous allez voir qu'il même il bégaye. Et bon, allez, je vous mets ça. Regardez. Bien, écoute, moi, je pense que... Cette vidéo, c'est un pur bonheur. Bien, écoute, moi je pense que l'État aujourd'hui est le principal responsable. Il n'a pas préparé le terrain, il n'a pas envisagé sur la décennie qui vient de s'écouler, ni sur les 20 ans précédents. Donc je pense que l'État doit aujourd'hui prendre le taureau par les cornes, car c'est de son rôle aujourd'hui, préserver la santé des citoyens. C'est pas grave, mes chers amis, un instant, je vais vous la remettre. Je vais vous remettre, donc, attendez. On va parer à ça, parce que cette vidéo, elle est très très importante. Elle est très importante, c'est un pur moment de... Surtout lorsqu'il prend la parole, vous allez voir, il le fait très très mal. Donc le manipulateur, le deuxième manipulateur. Ces gens-là sont incroyables. Ces gens-là sont absolument incroyables. Alors, je vous mets ça tout de suite. Voilà, les amis. Regardez. Ça va bien, être écoute, fluide, parfait. Regardez les manières qu'il fait, hein, au début, il fait comme ça. Ils sont géniaux. Enfin, façon de dire, hein. C'est un désastre pour le pays, c'est un désastre pour nous, mais... Regardez. Regardez bien comment il va... Il va jouer vraiment son rôle. C'est plus du tout le même que tout à l'heure. Et on a l'impression qu'il a envie de jouer un peu... Je sais pas, moi je dirais un peu efféminé. Regardez comment il va bouger à droite et à gauche. Bien écoute, moi je pense que l'État aujourd'hui est le principal responsable. Il n'a pas préparé le terrain, il n'a pas envisagé sur la décennie qui vient de s'écouler, ni sur les 20 ans précédents. Donc je pense que l'État doit aujourd'hui prendre le taureau par les cornes, car c'est de son rôle aujourd'hui, préserver la santé des citoyens, c'est la première des choses et c'est sa première des responsabilités. Ouais, écoutez, effectivement, sur la fin, c'est à l'État de prendre soin de la santé de ses concitoyens. Moi, je dis que souvent l'État prend les choses de manière facile, c'est-à-dire on taxe les voitures, on taxe les camions. Moi, je pense qu'il faut élargir le focus, regarder un petit peu quels sont les véritables pollueurs,
quels sont ceux qui font des efforts, c'est-à-dire peut-être instituer un système de bonus-malus justement à ceux qui feraient des efforts au niveau de la pollution et ceux qui n'en feraient pas. Et puis peut-être arrêter de, je le disais tout à l'heure à l'antenne, mais vendre nos bijoux de famille qui font que cet argent-là ne rentre plus dans les caisses de l'État et on laisse nos routes dans des états de délabrement et on laisse la pollution continuer à fuir dans notre pays. Et un message, et l'un et l'autre, à passer à Nicolas Hulot. Je ne sais pas si vous avez vu là, on laisse la pollution continuer à fuir dans notre pays. Voilà, c'est ces gens-là, hein, ces gauchos, plus que caviar, hein, qui nous font regarder la bague et tout ça, pour la circonstance, qui nous emmènent tous les jours sur les mêmes sujets de la soi-disant sauvegarde de la planète, les taxes, la fiscalité, etc., et qui n'arrivent pas à manger, qui sont descendants. Regardez là, la fiscalité va fuir. Les taxes, regardez. La pollution et ceux qui n'en feraient pas. Et puis peut-être arrêter de, je le disais tout à l'heure à l'antenne, mais vendre nos bijoux de famille qui font que cet argent-là ne rentre plus dans les caisses de l'État et on laisse nos routes dans des états de délabrement et on laisse la pollution continuer à fuir dans notre pays. Bah, écoutez, un message à Monsieur Hulot, de réfléchir, de regarder les rapports qui existent et en même temps de ne pas tomber dans les solutions de facilité, dans de la fiscalité qui, encore une fois, sera franco-française et n'arrangera pas la situation. Eh bien, moi, je dirais à Nicolas, ne fais pas de politique, des engagements, des solutions, un combat. Tu t'engages dedans, si ça convient pas, si ça fait trop de politique et si tu dois trop transiger avec les lobbies, eh bien quitte ton poste et puis dénonce toutes les pressions que tu subis. Parce que nous, aujourd'hui, il y va de notre santé. Donc Nicolas, fonce au boulot, on attend. Donc Nicolas Hulot, hein. Nicolas Hulot. Ah, c'est énorme, ces gens-là, comment ils peuvent changer d'aspect, ils peuvent changer de discours, ils sont pauvres parmi les pauvres, malheureux parmi les malheureux. Alors, on va regarder ce qu'il dit sur lui-même, donc ce monsieur Simoncini. On va voir ce qu'il dit sur lui-même. Alors, en plus, c'est bien parce que le livre qu'il a écrit, il pouvait pas choisir meilleur titre. Regardez. Il a écrit ce livre-là, Fake-tualité. Alors, vous voyez, Fake-tualité. Ces gens-là, c'est leur métier. Et vous allez voir donc ce qu'il dit sur lui-même, parce qu'il y a la présentation. Voilà, regardez ici, là. Allez, je vais vous lire. Regardez par qui nous sommes régulièrement représentés et manipulés. Alors, sportif de haut niveau, Dominique Simoncini a occupé différents postes dans les domaines marketing, commercial, événementiel ou encore de la communication. En parallèle, il crée et organise le Super Motard de Chamonix, une compétition internationale de moto regroupant les meilleurs pilotes. En outre,
Il intervient fréquemment en tant qu'expert et maître de conférences sur le management humain en situation de crise et l'amélioration des conditions de travail par le maintien de l'activité physique et cérébrale. Vous voyez un peu le palmarès hein, de manipulateur. Il est aussi un des référents préparation mentale de l'équipe de France de ski. Waouh! Voilà une personne sans dents hein, qui souffre des taxes sur l'essence et de l'imposition hein, sur nos salaires. Alors, je suis content parce que je suis arrivé à faire cette présentation, ce qui n'était pas évident. Donc on va revenir sur l'autre gros manipulateur. Je voulais vous montrer toute la vidéo sur la 6, hein, mais là franchement, je pense que nous sommes tous fatigués, donc on va vite passer. Alors, ce gros manipulateur, deuxième gros manipulateur, eh bien regardez, il est là. Voilà son Twitter. Et regardez lui aussi hein, son palmarès. Donc là, bon, bah, il se présente lui-même. Président Fédération CFTC Transport. Et en plus, en même temps, il est président et aussi secrétaire général adjoint confédéral CFTC. Et aussi président Association Moyen Clésia. Voilà, il est dans le RH, dans le droit, il a mis les HDAC. Voilà mes amis, par qui nous sommes manipulés. Il veut donc pour nous reconstruire le pacte démocratique. Nous, associations, syndicats et mutuelles de ce pays, affirmant qu'aujourd'hui, chacun a le devoir de contribuer à l'apaisement. Le drapeau français qui va bien entendu, ça c'est obligé. Les gilets jaunes républicains ont toujours un drapeau français. Et donc à réfléchir, reconstruire le pacte démocratique. Voilà les ceux qui emmènent le bétail. Je voulais vous montrer ça, les amis, pour ce soir. Ça n'a pas été chose aisée, parce que c'est quand même complexe de réunir tout ça. Comme je vous ai montré, comme je vous ai promis, donc de vous montrer la vidéo de Jérôme Rodrigue, donc, qui est content d'avoir rejoint la journée de grève générale, eh bien, je vais vous la mettre. Hop. Hop. Station en semaine et accompagner les gilets jaunes ne sont plus seuls avec les syndicats et des partis politiques. Et je vais essayer de vous préparer aussi donc là où il s'est pris en photo avec Besancenot, tout fier. Allez, on regarde. Alors, je sais pas si je peux l'agrandir un peu. Non. Alors, attendez, je vais l'agrandir là. Voilà. Regardez. Jérôme Rodriguez,
aujourd'hui une manifestation en semaine et accompagner les Gilets jaunes ne sont plus seuls avec les syndicats et des partis politiques, vous vous sentez moins seul? Bon, de toute façon, on se sentait pas seul, hein, parce qu'on a quand même une grosse approbation de la part de l'opinion publique, donc déjà on sait qu'on n'est pas seul, au moins dans le cœur. Maintenant, oui, l'important qu'il y ait une convergence, parce que je pense que qu'on soit syndiqué ou pas syndiqué, qu'on croit à une chose ou qu'on croit pas à une chose, il y en a beaucoup qui disent que le mouvement est apolitique. Oui, le mouvement en lui-même est apolitique, mais les gens qui composent le mouvement sont transpolitiques. Donc si à un moment donné on a tous la même idée, qu'on se bat tous pour la même chose, qui est dans un premier temps le frigo et le pouvoir d'achat et de vivre dignement de notre salaire, on peut que s'entendre et marcher ensemble. Voilà, on n'est pas obligé d'être syndiqué ou pas ou d'avoir les mêmes idées. La même idée, elle est toujours la même, le socle commun est le même, c'est de vivre décemment de notre salaire, tout simplement. Et vous vous sentez plus fort justement quand les syndicats qui au départ venaient pas trop avec vous, les partis politiques, finalement vous rejoignent sur ces journées de mobilisation? Bah ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir parce que en plus c'est des gens qui savent faire, qui savent gérer ce genre de situation. Nous on découvre les manifestations, l'organisation, moi c'était pas mon boulot, hein, jamais j'aurais cru de faire ça un jour dans ma vie. C'est là où on voit quand même la polyvalence du peuple français qui est capable de s'adapter à chaque situation et de pouvoir justement organiser des manifestations. Mais voilà, moi en tout cas je suis content de les voir. Tout le monde est le bienvenu, hein, qu'on soit syndiqué ou pas syndiqué, qu'on croit en une chose ou qu'on croit en une autre. L'important, c'est, je vous dis, c'est le socle commun, les trois principales revendications qui sont la baisse des taxes, peut-être une nouvelle forme de démocratie qui peut passer par le RIC et la fin des privilèges de nos gouvernants parce que ça suffit. Puis moi aujourd'hui, je rajouterais deux autres choses. Donc la première, je suis investi d'un nouveau combat, la fin du LBD 40, qu'on arrête ces mutilations de guerre. Et puis mettre quand même en avant ce problème de démocratie qu'on a aujourd'hui en France, c'est-à-dire cette belle école républicaine qui m'a initié à l'éducation civique avec les préceptes de la liberté, égalité, fraternité. Et puis on s'aperçoit que sous la France de Macron, quand on ose l'ouvrir, on perd un œil. Faut peut-être s'inquiéter. Puis hier, ça m'a fait plaisir parce que j'avais pensé à vous quelques jours auparavant, les journalistes, où je me disais que bientôt ça allait être votre tour. Quand on voit ce que Macron a balancé avec le contrôle des fake news par des éditorialistes, à savoir si on allait publier ou pas publier. Les gars, bienvenue dans la ronde, hein. Bientôt c'est vous qu'on va faire taire. Et moi, ça me rappelle quoi? Peut-être aller l'entre-deux-guerres, quand on commençait un peu à museler la presse et qu'on ne vous donnera plus la parole. Donc réagissez-vous aussi, ça ferait bien plaisir, parce que elle va où cette France? Il n'y a plus de démocratie. Puis on se permet de donner des leçons au Venezuela? Laissez-moi rire les gars, sincèrement. Donc Manu, je continue à te tutoyer parce qu'on a un petit lien particulier lui aujourd'hui. Hein. J'ai perdu un œil à cause de Manu. Manu, fais gaffe à toi parce que ta France elle va finir par plus te respecter et ça va mal finir pour toi, tout simplement. Est-ce que les Gilets jaunes se transforment aussi maintenant? Vous prenez part à des manifestations qui sont déclarées avec un parcours bien établi au milieu d'une semaine. Est-ce que c'est aussi une transformation pour le mouvement des Gilets jaunes? C'est pas une transformation. On vit dans un pays qui a des lois. Si la loi nous dit qu'on doit déclarer une manifestation, on nous traite de xénophobes, d'extrémistes, de parias, eh ben nous on a fait un pas, on a déclaré, d'accord? On a fait le jeu du gouvernement, on a fait le jeu des lois. Derrière on reçoit quoi? Des coups de matraque dans la gueule et des coups de flashball. D'accord? C'est-à-dire on fait un pas et le gouvernement nous fait un croche-patte. Il faut savoir qu'aujourd'hui les manifestations des jeunes ne sont pas gérées par la préfecture, sont gérées par le ministère directement. On va où là? D'accord? Donc nous on fait un pas et derrière on prend des coups de matraque. On a joué le jeu de la loi, on a joué le jeu du gouvernement en déclarant, et on finit par se faire flinguer à la fin d'une manif. À un moment donné, faut peut-être aussi comprendre pourquoi il y a une certaine animosité et une certaine violence qui s'en dégage, aussi bien des deux parties. Parce que quand on voit comment ils respectent sa police, ou les mecs qui se pissent dessus parce qu'ils n'ont même pas le moyen d'aller aux toilettes, ou qui bouffent un paquet de chips, faut comprendre aussi que ce sont des hommes en dessous de ces carapaces, et que eux peuvent être aussi amenés à s'énerver. Donc moi, je réitère mon appel aussi à la police. Un suicide tous les deux jours depuis le début de l'année, ça suffit. Est-ce que votre gouvernement vous respecte aujourd'hui? Donc à défaut de ne pas vous respecter, rejoignez-nous au lieu de nous opposer, tout simplement. Merci. Vous avez vu, hein, c'est très très haut. Hein. Vous avez vu, PNL, mentalisme extrêmement fort. C'est pas un rigolo, hein, Jérôme. Les autres peut-être, mais lui, c'est pas un rigolo. Hein. Et puis, il la tourne bien pour au final ne faire aucune revendication essentielle. Il te parle, c'est toujours enrobé de faux, partir de vrai, mais enrobé de plein de faux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut toujours dans le champ de la caméra, le beau drapeau français républicain, franc-maçon, toujours. Ça, c'est la marque de fabrique. Hein. C'est le drapeau, il le faut. Voilà, je vous ai mis ça. Ah oui, je voulais vous montrer donc la photo. Il est fier donc de faire son signe comme ça avec Besancenot. Il parle à notre nom. Il a expliqué que c'est le même combat avec les syndicats. Moi, je vais dire de quel droit il se permet de dire ça. Ce qui est génial, c'est que ça n'a pas marché leur grève générale.
Et ce qui prouve que nous nous écoutons d'abord nous-mêmes, mais surtout nous ne le suivons surtout pas lui. Hein. Ce qu'il dit, il disait, il est venu me voir, que lui, il a tellement de monde sur son groupe, et c'est ce qui le rend... oui, mais t'as pas eu de grève générale. Toi, les syndicats, le gouvernement, toute l'armada, vous avez pas eu de grève générale. Point. C'est que le peuple est devenu autonome et le peuple arrive à décoder. Alors, je voulais vous montrer, oui, tiens, la photo où il est tout fier. Tiens, elle est là. Voilà, regardez. Nous sommes apolitiques, jamais, ni nous ne nous mélangerons jamais à personne. Là, on a tout. On a Cégep, NPA, Gauche, on a tout là. La totale. La famille, bien entendu, hein, c'est pas nous. Hein. Ça, c'est pervers parce que nous nous battons pour les valeurs familiales et contre le complot contre la famille. Mais la perversion, c'est que eux, ils affichent la famille. Ben, je veux dire, c'est abominable. C'est abominable. Bon, allez. Mes amis, je suis comme vous. Hein, je vous aurais bien passé des reportages sur la franc-maçonnerie. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu. Donc ce que je vais faire, je vais mettre juste le lancement. Le lancement, et après on va arrêter. Donc c'est un court lancement. Mais voilà, je suis comme vous. Je suis un peu KO après tout ça. Voilà, je vais vous mettre le lancement. Allez. Allez, c'est parti. Ils se sont entendus dès le départ. Principe premier. Tout sera sous leur contrôle, tout. Personne n'aura le contrôle de l'argent dans le monde sauf eux. Zéro exception. Contrôle absolu. Les grandes sociétés, les multinationales, ils ont créé et créent tout ce qui est grand et tout ce qui grandit et réussi est à eux, 100%, zéro exception, zéro. Différents noms, différentes marques, différents pays, différents fondateurs, 100% à eux. Personne n'aura le contrôle des moyens de propagande sauf eux. Imprimeries, journaux et plus tard les télés, les médias alternatifs, réseaux sociaux, tout. Zéro exception, contrôle absolu. De même que les domaines de la communication, la santé, l'éducation, etc., etc. Différents noms jouant la concurrence, les guerres commerciales et les procès pour rester extrêmement crédibles, exemple Google et Yahoo, Microsoft et Apple, Coca-Cola et Pepsi, etc., etc. Tous les multinationales, zéro exception, principe premier. Bien ficelé et bien dirigé de manière méthodique, scientifique, les gens penseront vivre dans un monde divisé par des États et des régimes plus ou moins autoritaire ou démocratique, alors qu'un seul groupe dirige et décide de quels gens de quel pays doivent bien vivre, quels gens de quel pays doivent travailler plus, quels gens de quel pays doivent souffrir économiquement, etc., etc. Les gens qui doivent, dans tous les cas, vivre convenablement extrêmement bien, pour ne pas aller les questionner, seront la minorité que contrôle méthodiquement. Des gens qui les pensent de toute façon bienfaiteurs de l'humanité, qui se penseront frères, penseront faire le bien. Personne ne parlera. Tous bien entourés, s'espionnant les uns les autres, et la fraude les espionnant tous, bien consignés, et maintenant les bracelets connectés pour leur bien et le bien des gens. Ah voilà, j'avais pas le son. Donc je disais, c'est sur regarder.org, c'est ce créateur suisse.
donc la vidéo complète, que je diffuse souvent, mais pas ce soir parce que je suis KO et j'ai lu que vous aussi. Alors, je vais vous saluer, il y a plein d'informations. Alors, c'est bête parce que je vous ai mis... Alors, il y a deux, trois petites informations. Donc, rebondissement dans l'affaire Benalla. Ça confirme un peu aussi ce que je n'arrête pas de dire. Donc, l'enregistrement audio diffusé par Mediapart pourrait être un montage. Selon les experts de la police technique et scientifique, il y aurait au moins deux, voire trois enregistrements distincts. Ils les ont collés. Donc, ça s'est peut-être pas passé comme ils le prétendent. Bon, moi, de toute façon, je vous dis, hein, Mediapart, si c'était de vrais journalistes, ils auraient fait de vraies révélations. Parce que là, les révélations sur Benalla, une fois que c'est sorti, les révélations sur Sarkozy, une fois que c'est sorti, je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, d'autres informations... Alors, donc le gouvernement, bien entendu, il voit que son calendrier de manipulation ne tient pas. Il a repoussé la réforme empoisonnée du chômage pour après les européennes. Il y avait ça que je vous ai mis de côté. Et quoi d'autre? Donc au Nigeria, il y a Muhammadu Buhari qui vient d'être réélu président du Nigeria. Ok. Il y a eu donc un MiG-23 de l'armée de l'air cubaine qui se serait écrasé à Cuba. Et aussi donc Juan Guaido pourrait encourir jusqu'à 30 ans de prison pour avoir violé l'interdiction de voyager. Vous savez, celui que l'OTAN veut mettre à la place du président légitime Maduro. Mais bon, ça reste spéculation. C'est juste pour le mettre en position de victime. Ensuite... Donc, là, ça me fait penser à ce que je n'arrête pas de vous dire. Donc là, il y a une pseudo-engueulade. Benjamin Griveaux a déclaré que le livre de François Ruffin, « Ce pays que tu ne connais pas » paru aux éditions Les Arènes, exsudait la haine à longueur de page. Exsuder, ça veut dire, voilà, exposer la haine à longueur de page. Avant d'avouer qu'il ne comptait pas le lire. Bon, bah, tout ça pour vous dire que ça, c'est la fabrication habituelle du système. Le système fait sortir un livre à Ruffin, fait dire à Griveaux, ton livre, c'est du caca, et puis bon, bah, ça fait une actualité, les médias, les articles de journaux, etc. Et puis, je t'invite pour te lancer, soi-disant, ce pic. C'est du cinoche, je pense que je vous ai montré assez d'éléments tous ces jours et ce soir pour comprendre que tout ceci est une vaste escroquerie permanente depuis des siècles, tout réseau confondu. Allez, mes chers amis, je vais vous saluer, je vais vous appeler par les prénoms pour aller vite. Sophie, bonsoir et bonne nuit à Sophie, Sira, Francesco, Felice, Raph. Marina, Richard, tu es sur VK, Poupette, Mathieu, Delphine, Corinne, Tony, Marina, Natacha, Marie, Sylvain, Sam. Si je t'ai pas déjà
Je salue, hein, je me rappelle plus ceux que j'ai bloqués ce soir. Hein. J'ai bloqué l'habituel Stéphane Collin, d'ailleurs, vous avez bien fait, j'ai vu que vous lui avez dit ces quatre vérités. À ce énième compte Stéphane Collin, j'en ai bloqué des comptes Stéphane Collin à ne plus savoir combien. Hein. Alors, Zou de VK. Sur VK. Ceux qui ne connaissent pas VK, c'est le Facebook russe. Je vous invite à y créer un compte. On ne sait jamais, un jour, vous ne me verrez plus sur ce Facebook de l'OTAN. Woody. Sophia. Hop. Syrah, je crois que je t'ai déjà nommé. Sia. Stéphanie. Coco, Nathalie, alors qui d'autre que je n'ai pas vu, José, Tony, Cicia, Franck, bonsoir, Laura, Fouquet, Adam, hop, Julien, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est tant mieux, mais après les saluts sont plus longs. Donc, Ildrim sur VK. Marina, Sylviane, Simon, Tony, je t'ai vu, Pétanque, Nabilo, voilà, toi je te salue pas. Mika, Joël, Asia, Nadège. Alors, Sylviane, si je l'ai vu, c'est Sylviane. Ekel. Là, normalement, on arrive à la fin. Linda. Je vais vous mettre une intelligence artificielle la prochaine fois pour lire tout ça. Et c'est tant mieux, hein, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est tant mieux, les amis. Nathalie, juste parce que j'ai vu que t'as mis Ramous, bien entendu. La même famille, hein, Ramous. Il est apparu en même temps que... Il est réapparu, en tout cas, en même temps que Jérôme a été éborgné. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Francesco, Olivier, Pat. Tiens, là, j'arrive à la fin parce qu'il y a tout le monde qui dit bonne nuit. Hop. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Parfait. Simon, tu dis une intelligence artificielle, tu dis Ramous, la course ou la bourse. C'est exactement ça. Voilà, mes chers amis. J'espère vous avoir
éclairée. Je vous souhaite de passer, donc il est presque 1h, il est minuit 41, une bonne nuit. Et on se retrouve donc ce soir, comme d'habitude, pour un live. Voilà. Passez un très bon mardi. Pardon, mercredi. Passez un très bon mercredi. Je vous rappelle que ce samedi, gilet jaune. Il va falloir qu'on gagne en autonomie et qu'on s'affranchisse de tous ces manipulateurs envoyés par le système, et par le système, et par les pièges du système, et par les infiltrations du système. Et il va falloir... je vous dirai un ensemble d'idées. Là, je suis un peu KO, et vous aussi. Mais je vous soumettrai un ensemble d'idées. Que vous soyez tous autonomes, vous soyez tous votre propre chef, et que vous créez des associations, des mouvements, ça coûte rien. Créez des associations, comme ça vous serez tous présidents de votre association, et comme ça on aura une force de riposte face à la multitude d'associations en face que le système crée et a créé pour défiler dans les médias, etc. Donc vous aussi, vous pouvez être votre propre président d'association, et ensuite moi je vous reconnaîtrai, bien entendu, si vous suivez ma ligne, ma pensée, c'est-à-dire pas de RIC, on touche pas à la Constitution, et on commence d'abord par enlever la corruption, et puis la stratégie, c'est d'aller récupérer une partie de d'antenne dans les merdias, d'aller en priorité bloquer les merdias, pas de grève générale, uniquement les samedis jaunes, et après on fait des fixations. Lorsque les beaux jours, donc au mois de mai, lorsqu'on arrive au mois de mai, on va reprendre les places, on va se refixer sur les ronds-points, etc. On va sortir les merguez pour les uns, le pinard pour les autres, et on va tous se mettre ensemble. Voilà, si vous suivez cette ligne, cette pensée, je vous reconnaîtrai. On fera une espèce de fédération, et on sera tous présidents en même temps, comme ça il n'y aura pas de combat d'ego, etc. Voilà. Mes chers amis, on parlera de ça en détail dans les jours à venir. Je vous souhaite donc de vous reposer. Douce nuit à toutes et à tous. Et à ce soir, mes chers amis.